ça semble parti. Bien petit oui, point rouge. Alors bonjour, bienvenue à ce séminaire Espace essayistique LET 7702. Mon nom est Luc Vaillancourt et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de ce trimestre dans ce séminaire de maîtrise et de doctorat qui s'adresse aux deux cycles donc et qui va revêtir pour la première fois le format bimodal. Alors, il y a 30 minutes à peine, j'avais aucune idée du fonctionnement de ces appareils qui sont autour de moi, des moniteurs devant moi, de la petite tablette ici et des instructions qui sont données sur le clavier, instructions très claires qui précisent ne pas éteindre l'ordinateur. Alors, j'ai un message qui dit ne pas éteindre l'ordinateur, ça vous indique le niveau technique requis pour maîtriser tout ça. Alors, je vous demande votre indulgence parce que c'est une première pour moi. Il y aura des ratés techniques, c'est certain, même si je me considère comme assez branché d'ordinaire. Là, ça risque d'achopper tôt ou tard dans le partage d'écran, dans le partage de documents. Je ne sais pas trop encore où je vais projeter mes choses. Je ne sais pas comment ça va se passer pour nos invités virtuels. Et je vais essayer de tenir compte de tout le monde, bien sûr, pour ne pas favoriser les uns au détriment des autres. Alors, vous êtes dans ce cours bimodal qui privilégie d'abord la présence en classe, sur place, et ensuite la participation virtuelle, dans la mesure où, pour ceux-là, la plupart du temps, il est impossible d'être présent. Alors, on comprend que les gens qui habitent à l'extérieur de la région ne peuvent pas prendre part au cours de la même façon. On aura aussi des auditeurs libres, auditrices libres, qui se joindront à nous à l'occasion. La composition de l'auditoire va varier pour toutes sortes de raisons. Il y a des gens qui sont intéressés par certaines périodes plutôt que d'autres, par certains sujets. On aura l'occasion notamment de rencontrer un essayiste et sans doute qu'à cette occasion, on élargira l'invitation pour inclure le plus grand nombre. Mais c'est la pente que va prendre notre séminaire. C'est une première donc et ça intervient au moment où je reviens, moi, de sabbatique. Alors, j'ai été en congé sabbatique jusqu'au début du mois d'août. Et c'est un peu un traumatisme de revenir au boulot comme ça et de changer complètement de mode d'enseignement, de mode d'échange. J'avais déjà expérimenté, bien sûr, dans le cadre de la pandémie, l'enseignement via Zoom. Donc, je me débrouille un petit peu avec les breakout rooms puis le partage d'écran et ça devrait aller. Même si au départ, ça me semblait quelque chose de très lourd j'avais souvenir d'avoir déjà donné ce même séminaire en visioconférence et ça avait été vraiment la catastrophe. Il y avait des étudiants qui le suivaient du CAR de l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'avais des gens présents à Chicoutimi et il y avait tout un appareillage technique où chaque fois qu'un étudiant posait la question, il devait appuyer sur un bouton et là, la caméra se braquait tranquillement sur lui et zoomait. Et c'était très intimidant. Les gens avaient beaucoup de difficultés à poser des questions. Et franchement, ça m'avait un peu échaudé. Mais par la suite, il y a eu cet épisode pandémique, donc, où j'ai pu me familiariser avec le format. Et Montaigne le dit lui-même, quelque part dans les essais, à quelque chose, malheur est bon. Et ce malheur, ce grand malheur de la pandémie, nous a quand même donné des outils qui sont intéressants et qui nous permettent de collaborer maintenant à distance. D'enseigner à distance, de recevoir des enseignements à distance de façon très avantageuse et il ne faut pas s'en priver. J'ai fait l'expérience vraiment surprenante à l'occasion du partage de mes cours. J'avais mis mes cours pour les rendre plus facilement consultables comme je m'apprête à le faire dans le cadre de ces séminaires. À la suite de chacune des séances, je vais verser sur Panopto, puis sur YouTube, les enregistrements de façon à ce que vous puissiez retrouver certains passage plus obscur, plus abscon, ça m'arrive d'être abscon et d'être obscur, et vous pourrez retrouver rapidement l'explication, la passer en revue et peut-être y comprendre quelque chose. Sinon, ben, vous me relancez puis je pourrai éclaircir ce point pour vous, mais ça va servir à ça aussi. Ça va servir aussi ponctuellement, pour toutes sortes de raisons, vous serez peut-être appelé à vous absenter pour revoir ce cours que vous avez manqué en quelque sorte. Donc, ce sera l'occasion peut-être de compenser pour des absences occasionnelles que je souhaite les moins nombreuses possibles, mais ce sont des choses qui arrivent. Bien sûr, tout ça, ça peut sembler intimidant bien sûr, tout à l'heure, on va parler de la possibilité de présentation orale
Et vous vous dites peut-être déjà, attendez là, ma tronche va se retrouver sur YouTube. Est-ce que j'ai un mot à dire? Oui, pour les exposés. Ce n'est pas un secret, là, dans les séminaires, il y a toujours des exposés. Vous aurez le droit de dire, écoutez, je préfère que ça reste entre nous. Et à ce moment-là, l'enregistrement ne sera pas diffusé sans votre consentement. Alors, ça va de soi que vos interventions ne seront partagées que si vous êtes d'accord. Alors, c'est quand même intéressant parce que le fait d'avoir fait ça au départ, et c'était absolument pas prévu, a résulté en un phénomène vraiment surprenant. Quand j'ai partagé mes cours sur YouTube à l'attention de mes étudiants d'abord, il y a des gens qui se sont mis à les regarder, qui n'avaient rien à voir avec l'université, qui n'avaient rien à voir avec mon cours, et qui, à cause des algorithmes, nouveaux cours, littérature, mots-clés comme ça, sont tombés sur moi et se sont mis à regarder des cours comme ça et à apprendre qu'ils donnaient des cours de littérature à l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, ça nous a attiré des inscriptions. Ça nous a attiré des gens qui ont dit « Est-ce que c'est possible de suivre à distance comme ça? » Et tout d'un coup, c'est devenu une plateforme pour l'institution, pour notre département, qui nous permet de faire valoir nos champs d'intérêt, nos spécialisations. Moi, qui m'a permis de partager mon enseignement avec un nombre étonnant de personnes, jamais j'aurais pensé que des gens en Afrique seraient intéressés à me regarder ou comprendraient quelque chose à mon accent. Des gens du Maghreb m'ont suivi aussi, des gens un peu partout. Et parfois, à l'occasion, des gens écrivaient des commentaires, des gentils commentaires pour dire « Oui, à part votre accent qui est impossible, c'est intéressant de vous voir enseigner comme ça. Et c'est très différent de ce qu'on fait chez nous. » Puis ça a permis des échanges. Alors, je vous en parle parce que, d'abord, j'en suis très, très fier de cette expérience. Et pour vous dire qu'il faut s'ouvrir à ça. On a été souvent très réfractaires à cette expérience Zoom parce qu'on l'a vécu par la force des pauses, par la contrainte, mais à quelque chose, malheur est bon, ça peut déboucher sur des trucs intéressants. Et notamment pour ceux d'entre vous qui envisagez d'enseigner éventuellement, restez ouverts. Restez ouverts. Ces plateformes technologiques peuvent vraiment déboucher sur de belles choses. Et parfois, c'est sûr que ça peut sembler édulcoré par rapport à l'expérience présidentielle. Parfois, il y a une plus-value qu'on peut aller chercher. En tout cas, ça sera mon devoir d'essayer de vous convaincre de la chose. Moi, j'en suis convaincu et j'essaierai de vous montrer les différentes facettes, ce qu'on peut faire avec Zoom et tout ça au fur et à mesure que j'apprendrai les possibilités. Je vais faire mes classes et je vous reviendrai là-dessus. Alors, aujourd'hui, je n'entends pas vous retenir tout au long de la période. Normalement, les cours durent 3 heures, mais ce premier cours est l'occasion d'un premier contact pour prendre connaissance du syllabus, échanger sur le calendrier, répondre à vos questions de toutes sortes. Et le vrai séminaire commence la semaine prochaine. Là, ce sera un cours plus magistral où on va entrer dans le vif du sujet. Et pour l'instant, donc, présentation du cours. Et ensuite, lecture du syllabus. Présentation du cours d'abord, c'est un cours que j'affectionne particulièrement, que j'aime d'amour, parce que c'est le cours que j'ai donné peut-être le plus souvent depuis le début de ma carrière. J'ai commencé à travailler à l'UQAC en 2002, figurez-vous, ça fait 20 ans. Et à cette occasion, le premier hiver, j'ai été appelé à enseigner un séminaire de maîtrise doctorat qui s'appelait « Histoire poétique ». Poétique, histoire et structure de l'essai. Quelque chose du genre. Depuis, le nom a changé. Là. Structure, histoire et poétique de l'essai. Oui, c'est ça. Le nom a changé pour devenir espace essayistique, mais l'accent a été mis d'emblée sur l'historicité de l'essai. Et vous allez voir que ce fond-là demeure dans la transformation que le cours a subie. On parle d'espace essayistique, c'est un nom très séduisant, c'est charmant, et ça ouvre plein de possibilités. Mais vous allez voir que l'histoire va nous préoccuper beaucoup. Parce que pour comprendre le genre, on ne peut pas faire l'économie de son évolution dans le temps. On ne peut pas faire l'économie de sa genèse, comment il est venu au monde, ce genre, comment il s'est développé, comment il a été pratiqué. Et si on essaie de faire ça, eh bien, on se condamne à ne comprendre que dalle. On ne comprendra rien à la nature de la forme. Et si aujourd'hui, on a tant de difficultés à cerner l'essai, si vous allez lire bientôt des textes de théoriciens qui essaient de décrire c'est quoi l'essai, la prose essayistique, vous allez voir que la plupart du temps, ils n'y arrivent pas, ou ils se contredisent eux-mêmes ou entre eux, et c'est terriblement frustrant, parce qu'on se dit, mais attends, j'ai une bonne idée de ce que c'est qu'un essai,
je pense que je peux définir à peu près la chose, mais on se rend compte que notre définition est toujours partielle et partiale, toujours lacunaire, et on se rend compte qu'elle entre toujours en collision frontale avec celle de quelqu'un d'autre. De sorte qu'on se dit, qui a raison? Qui a défini l'essai de façon claire qui peut aboutir à une convention là, où tout le monde admet, oui, c'est ça un essai. Les conditions minimales d'existence pour le genre sont les suivantes, et voici, on énumère un certain nombre de caractéristiques. Alors, on va se rendre compte que ce n'est pas évident, et d'autant plus qu'on s'est coupé de l'histoire. Et ça, on va en parler un peu plus loin en passant à travers le plan de cours. Donc, c'est un séminaire que j'affectionne beaucoup, qui réunit des étudiants de la maîtrise et du doctorat. Alors, peu importe le niveau, on ajuste le tir en conséquence, c'est-à-dire que les attentes vont être différentes selon que vous êtes à la maîtrise et que vous devez présenter un exposé, tantôt un compte-rendu, tantôt, je ne sais pas, une dissertation. Bien sûr, dans la correction, je ne serai pas aussi exigeant pour le niveau maîtrise que pour le niveau doctorat. Il faut l'admettre d'emblée. C'est là que se situe la différence. Mais vous allez voir que très rapidement, on oublie ces catégories. Très rapidement, dans l'échange, tout le monde participe à la hauteur de ses connaissances et contribue à enrichir l'expérience. Alors, ce cours, il s'étend bien sûr sur 15 semaines, comme les autres, mais il n'est pas simplement magistral. Il est bien sûr collaboratif, il est participatif, il dépend beaucoup de ce que vous allez y mettre aussi. Alors, moi, je suis là pour vous accompagner, baliser un peu le parcours, mais c'est certain que je vais avoir besoin de vos contributions. C'est ce qui distingue un cours de cycle supérieur d'un cours de bac. Ça ne saurait être un cours magistral du début à la fin. Bien sûr, progressivement, je vais vous inviter à intervenir, à participer. Et d'emblée, je vous le dis, il ne faut jamais se gêner à m'arrêter, à m'interrompre dans ma course. Vous levez la main si vous avez une question, un commentaire intempestif, une critique, n'importe quoi, une observation, vous êtes toujours bienvenu de le faire. Et on va tranquillement se donner les moyens d'échanger, à commencer par une formule qui va nous faire sortir de notre zone de confort. Parce que, bien sûr, moi, je suis historien de la littérature, j'arrive, puis je vous fais mon topo sur l'histoire du genre. C'est mon domaine, ça va, je maîtrise. Mais vous avez peut-être aussi des choses intéressantes à dire sur l'essai, sur des essayistes que vous avez fréquentés, que je ne connais pas, parce que je n'ai pas tout lu, bien sûr. Et vous aurez votre grain de sel à apporter dans le cadre de ces échanges, notamment à travers les exposés, mais aussi spontanément, quand on essaiera de circonscrire tel ou tel aspect de l'essai, vous pourriez dire, ah, ben, ça me fait penser à un essai de Dominique Fortier que je lisais récemment, qui ne revêtait absolument pas la banque que vous êtes en train d'écrire. Ce que vous dites ne correspond pas à la vision que j'ai, en tout cas, en lisant Dominique Fortier, de l'essai. Pouvez-vous réconcilier ces deux visages de l'essai? Alors, n'hésitez pas à me relancer, à me mettre au défi à cet égard. Vous allez voir, c'est un jeu amusant parce que chacun tire l'essai de son côté, chacun a sa définition de l'essai et parfois, c'est irréconciliable. Tantôt, l'essai va apparaître comme une espèce de genre dissertatif, très académique, très savant, et tantôt comme un genre libre par excellence, d'une littérarité exquise ou au contraire très, très légère, où l'accent est mis sur les idées plutôt que sur la forme. Et de cette infinie diversité, de cette infinie variété, on va essayer de se faire une tête. Là. À partir de ça, on va essayer de voir s'il n'y a pas des points de convergence ou en tout cas des points typologiques, des critères de définition sur lesquels on peut s'entendre. Et on ne sera pas toujours d'accord. Et des fois, vous allez dire, ben, vous me tirez un petit peu trop du côté de Montaigne, je ne suis pas d'accord, moi, je vois ça autrement. C'est correct, ça sert à ça, un séminaire, ça sert à brasser les idées et à confronter nos horizons théoriques et épistémologiques. Alors, je vous distribue le plan cours, d'abord en présentiel. Je vous indique tout de suite qu'il sera, il sera disponible sur le site de Moodle après le cours. Et je m'excuse de ne pas l'avoir partagé plus tôt. Je n'avais pas toutes les clés encore de la technique. Ça fait partie des expériences
fâcheuse de mon retour à Sanatic, mon ordinateur est verrouillé. Je suis arrivé dans mon bureau et je n'existe plus à l'UQAC parce que j'étais pas là pendant mon sabbatique, pendant 6 mois, je pense. Ils ont considéré que j'étais plus à l'emploi à l'UQAC. Je suis verrouillé. Je ne peux plus accéder à rien à l'UQAC. Donc, je me suis fait jouer un tour. Normalement, vous auriez eu accès au plan de cours virtuellement. Il faudra attendre qu'on déverrouille mon ordinateur pour que je puisse le partager avec vous. C'est vraiment bête, mais ça fait partie des complications innombrables de la vie de professeur à l'UQAC. Alors, vous m'excuserez de vous le lire platement. Je le rends disponible dès que mon poste est déverrouillé et on pourra répondre à vos interrogations si jamais il y en a qui se pointent après coup. Alors, la page de présentation nous identifie le cours. Il s'agit d'espace essayistique. Le sigle, c'est le LET 7702. L'horaire, c'est mercredi de 16h à 19h. On va toujours se ménager une pause en milieu de période et on va finir souvent un peu avant 19h, là, parfois à 6h30. On ne s'enfargera pas dans les fleurs du tapis. Si jamais on a fini de faire le tour du sujet, on s'arrête et puis on se dit bonsoir. Surtout que je suis en train de suivre un régime de jeûne intermittent. Je dis ça entre nous, là, mais je ne peux manger qu'entre 11h du matin et 7h le soir. Alors, imaginez, si je termine le cours à 7h, je ne peux pas manger. Je peux pas manger et je dois attendre jusqu'à 11h le lendemain. Donc, j'ai un intérêt égoïste et personnel à terminer le cours avant 7h. Vous pouvez compter sur moi pour être bref, passer 18h30. La session, c'est l'automne de 2022, bien sûr. Mon nom est Luc Vaillancourt. Mon bureau est le P4 1140. Je suis disponible les mercredis après-midi pour des entretiens à mon bureau et le jeudi après-midi également. Et aussi, à d'autres moments, à votre convenance, si vous sollicitez un rendez-vous en dehors de mes plages horaires régulières, on peut s'entendre. Je peux être là le soir aussi. On peut se voir le soir à mon bureau sans discuter ou n'importe quand via Zoom ou au téléphone. Vraiment, c'est à votre préférence. Moi, je me targue de me rendre disponible plus que n'importe quel collègue et j'essaie d'honorer cet engagement-là. Donc, mettez-moi au défi. Je vais essayer de répondre à présent et de répondre à vos questions le plus facilement possible, le plus simplement possible. Alors, il ne faudrait pas que ce mode bimodal, finalement, cet enseignement bimodal devienne désavantageux pour ceux qui le suivent à distance. Donc, mercredi, donc, ce sont mes heures de bureau de 13h à 16h, jeudi de 13h à 16h ou sur rendez-vous, et ça peut être vraiment n'importe quand. Lundi, mardi, mercredi, virtuellement, c'est très facile pour moi de programmer une rencontre ou un appel. Mon adresse courriel, c'est luc.vaillancourt@uqac.ca et le local, ben, c'est celui où nous sommes, vous l'avez déjà compris. Il n'était pas encore désigné au moment où on a fait l'impression du plan cours. Alors, à la première page, on parle tout d'abord des remarques, quelques remarques liminaires avant d'exposer la problématique. Et ces remarques liminaires, je les emprunte à une théoricienne de l'essai. Ils ne sont pas si nombreux à s'être essayés à définir le genre. Donc, c'est précieux chaque fois qu'on a quelqu'un qui se commet, qui ose essayer de circonscrire les frontières, les limites de l'essai. Et ici, c'est Martine Renoupré qui nous dit « Le genre essayistique est difficile à circonscrire, car chaque essai semble inventer son propre modèle. » C'est vrai. On a une bonne idée de ce que c'est qu'un essai, jusqu'à temps qu'on en lise un qui n'a rien à voir avec l'idée qu'on s'en était fait. Et là, on se dit « Mais attends, là, est-ce que c'est vraiment un essai? » Moi, j'ai lu Montaigne, j'ai lu Rousseau, j'ai lu des essayistes contemporains du 20e siècle, Sartre, Camus, et ce que je vois là ne correspond pas du tout à l'idée que je me fais à peu près du genre. Alors, comment expliquer ça? Qui a raison, qui a tort? Est-ce que c'est le plus grand nombre? Est-ce que c'est la tradition française, littéraire, philosophique, qui devrait nous servir d'étalon de mesure? Ou bien, non, il n'y a pas d'étalon de mesure universel. Chacun invente sa forme, puis tout marche, tout va. Non, tout ne peut pas aller, tout ne peut pas être un essai. N'importe quoi ne peut pas être un essai. Mais maintenant, qui détermine que ça, ce n'est pas un essai? Qui a le droit de dire, c'est très bien ce que vous faites, mais ce n'est absolument pas un essai? Le problème s'est posé pour moi, viscéralement, quand j'ai suivi en première année de bac à l'Université de Montréal un cours sur l'essai.
C'était un cours donné par Georges-André Vachon, aujourd'hui décédé depuis longtemps, là, il a déjà 75 ans quand il donnait le cours. C'était un ancien prêtre défroqué, un homme d'une savoureuse érudition, extrêmement gentil, mais qui nous avait mis à l'épreuve avec ce cours-là, où il se proposait de définir ce que c'était qu'un essai, justement. Et pour nous aider à comprendre la forme, il nous invitait à écrire des essais. Alors, en parallèle avec le contenu théorique, on devait écrire des essais. Or, chaque fois qu'on lui remettait un essai, on se faisait ramasser en se faisant dire dans les commentaires, écoutez, c'est mauvais. Et au demeurant, ce n'est même pas un essai. Okay. Il nous donnait des notes souvent négatives. C'est-à-dire que si c'était un exercice qui comptait sur 10, on pouvait avoir un moins 2 sur 10, moins 4 sur 10. Alors, imaginez, ça commence mal la session, ça. Quand vous avez des moins 4 sur 10, vous faites le calcul, ouais, je serais peut-être mieux d'abandonner le cours parce que, à moins que j'ai un 14 sur 10 la prochaine fois, ça va être dur à rattraper. Alors, c'était extrêmement éprouvant parce qu'on avait le sentiment de savoir c'était quoi un essai avant de commencer le cours. Et au terme du cours, on n'avait plus aucune idée de ce que c'était qu'un essai. Et on se comptait chanceux quand on avait une note positive, quand on avait une note qui était au-dessus de 0 sur 10. Et ça m'a donné à penser d'emblée, dans le cadre de ce cours-là que je suivais, que l'essai était un genre fuyant, dont la définition nous échappe souvent. Et même quelqu'un qui maîtrisait son sujet, comme Georges-André Vachon, avait beaucoup de mal à nous communiquer une définition cohérente. Alors, le genre essayistique est difficile à circonscrire, nous dit Martine Renoupré, car chaque essai semble inventer son propre modèle. C'est pourquoi l'essai a souvent été qualifié de non-genre ou d'anti-genre, se situant hors normes et hors institutions littéraires. Ça, c'est commode. Quand on n'est pas capable de définir quelque chose, on dit oh, « ben, c'est un non-genre ». C'est parce qu'il n'appartient pas à aucune forme générique. C'est tout simple, au fond, il ne faut pas se casser la tête. Il faut essayer de le faire caser quelque part. C'est un non-genre. Oui, en cela, il s'inscrit volontiers dans une certaine critique de la modernité qui proclame la mort du genre littéraire. On a vu au 20e siècle la théorie littéraire évoquer ce fait, la mort de l'auteur. La mort, ça suit la mort de Dieu, et puis éventuellement la mort du genre littéraire, et pourquoi pas la mort de l'essai comme forme traditionnelle, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de l'exploser l'essai, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'en faire ce qu'on veut, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas écrire des essais poétiques complètement surréalistes, si on veut, qu'est-ce qui nous interdit de le faire, et qui décide que ce n'est pas un essai? Alors, il y a une espèce de situation où on est dans l'impasse où les gens revendiquent tout et n'importe quoi et en même temps, on a l'intuition profonde que ça ne peut pas être ça, là. Ça ne peut pas être un non-genre. Ça ne peut pas que ce ne soit pas définissable, que ce ne soit pas appréhendable. On a quand même une idée de ce que ça devrait être, un essai, normalement. Mais c'est à cause de cette marginalité et de cette extrême contemporanéité que l'essai renvoie même immanquablement à la question du genre littéraire. Et c'est cette question du genre qui nous semble important d'aborder, étant donné les difficultés entrevues par la critique littéraire pour circonscrire les caractéristiques de l'essai. Alors, il y aura à la base de ce cours une réflexion générique, une réflexion qui s'inspire de la théorie des genres, où on va essayer d'établir une typologie. Une typologie, ça veut dire des critères de définition du genre, où on va énumérer des caractéristiques et s'entendre, vous et moi, est-ce qu'on peut dire que ça, minimalement, c'est ce qui qualifie l'essai? Et c'est là qu'on pourrait ne pas être d'accord. On pourrait dire oui, ben, oui peut-être, chez Montaigne, ça marche, mais j'ai un contre-exemple. Chez Monique Proulx, non. Ou chez Nathalie Sarraute, non. Ou chez tel auteur, non. Alors, il y aura toujours possibilité d'amender nos définitions en fonction de ces contre-exemples que vous pourrez apporter. Mais on va quand même réussir, vous allez voir, à aboutir à un certain nombre de caractéristiques. De sorte qu'au terme de séminaire, les miennes plus les vôtres, vos observations à vous, vos conclusions sur le genre vont nous faire progresser dans notre compréhension du genre et dans notre définition de la forme. Si tout se passe bien, au terme du séminaire, on devrait voir plus clairement c'est quoi la nature de l'essai. Okay? Ça ne sera pas juste du fait de mon effort, ça va être du fait de l'effort collectif de chacun. Chacun y aura ajouté son grain de sel, sa propre définition, ses petites modulations à gauche et à droite qui vont nous faire progresser. La problématique séminaire maintenant.
L'essai occupe une place à part dans le champ littéraire contemporain. Il s'agit d'une des formes les plus pratiquées et en même temps d'une des moins étudiées sur le plan de l'expression, car en perpétuel porte-à-faux entre les diverses disciplines des sciences humaines, souvent plus soucieuses du contenu que de l'esthétique. C'est vrai, quand on consulte les registres des bibliothèques, on se rend compte que l'essai est probablement la forme la plus pratiquée, parce qu'on écrit des essais scientifiques, on écrit des essais philosophiques, on écrit des essais médicaux, si on veut aller voir du côté des spécialisations. On écrit des essais vraiment de toutes sortes et des essais littéraires aussi, de sorte que on a l'impression que c'est effectivement la forme la plus pratiquée. Et on se rend compte que dans ces différentes pratiques, il y a un monde d'écart hein, entre un essai scientifique, un essai philosophique et un essai littéraire. Et qui a le monopole de la raison et du vrai là-dedans? Qui peut dire ben, le seul vrai essai, le seul véritable essai, c'est l'essai littéraire? Si cette forme est aussi pratiquée aujourd'hui, si elle est revendiquée par toutes les disciplines des sciences humaines et des sciences même fondamentales, à qui appartient le droit de définir l'essai? Est-ce que nous, littéraires, on peut s'emparer de la forme et dire ben, on va vous expliquer c'est quoi, là, puis quelles sont les limites, puis pourquoi les essais scientifiques ne sont pas en fait de véritables essais? De quel droit? Et pourquoi il y a eu différenciation? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on s'est mis à faire des essais scientifiques? Ce n'est pas l'essai scientifique qui a précédé l'essai littéraire. L'essai littéraire est plus ancien que l'essai scientifique. Et comment on en est venu à écrire des essais scientifiques? Et comment on en est venu à s'emparer de cette forme si polyvalente, qui est maintenant universelle, pratiquée partout dans toutes les disciplines, et que vous avez vous-même sans doute pratiquée dans le cadre de vos études, parce qu'on vous l'a demandé ou parce que c'est la forme spontanée à laquelle vous revenez naturellement. Il y a des « natural born essayists ». Il y a des gens qui, naturellement, écrivent de la prose essayistique. Ils ont beau essayer de faire autrement et on les châtie dans leur dissertation. Je nommerai pas de nom, mais j'ai des personnes en tête. On les châtie dans leur dissertation en disant « Attendez, c'est pas une dissertation que vous êtes en train d'écrire. Vous êtes en train de me faire un essai. » Et ils comprennent pas au début. Mais attendez, je développe ma pensée en fonction du sujet et tout. Oui, mais vous ne le faites pas de manière dissertative. Oui, mais pourtant, j'ai lu des textes qui faisaient la même chose et qui étaient qualifiés de dissertation. Ouais, ça ne marche pas. Vous voyez, on va essayer de distinguer ces deux formes. On va voir qu'il y a une tentation essayistique partout, même en science, mais ce n'est pas forcément des textes qui relèvent tout à fait de l'essai. Ils vont revendiquer le titre d'essai, ils vont prendre la forme de l'essai à bien des égards, mais il va manquer des composantes fondamentales qui vont, à mon sens en tout cas, les disqualifier souvent comme essai au sens propre. C'est discutable, négociable, on reviendra là-dessus quand on y sera. La fortune de l'archigenre, l'essai comme genre, là, gigogne, genre qui permet toutes ces modulations. Okay? L'archigenre, je veux dire, c'est la forme générique qui n'est pas l'essai littéraire, c'est l'essai tout genre confondu, toute espèce confondue, autant l'essai scientifique que l'essai philosophique, que l'essai théologique, etc., etc. La fortune de l'archigenre, donc, est telle que l'essai littéraire n'est plus désormais qu'une espèce parmi d'autres. Alors, effectivement, quand on regarde dans la catégorie essai, il y a tellement de sous-catégories, il y a tellement d'espèces que l'espèce littéraire apparaît une espèce parmi tant d'autres que nous valorisons parce que nous sommes littéraires, que nous considérons sans doute même supérieure aux autres, plus méritoire parce que investie d'un effort stylistique, d'une recherche stylistique importante, mais pas forcément, pas toujours, qui dans la balance ne pèse pas le plus lourd. C'est-à-dire que quantitativement, il s'écrit plus d'essais non littéraires que d'essais littéraires. Dans le monde, on en publie davantage des essais non littéraires que littéraires. Alors, l'essai littéraire n'est plus désormais qu'une espèce parmi d'autres, qui reste cependant à distinguer clairement ses congénères et à situer en regard de leur origine commune. Parce qu'il fut un moment, il fut une époque, où toutes ces formes étaient encloses déjà virtuellement, potentiellement, dans les premières manifestations du genre. Et c'est pour monter à Montaigne, pour comprendre comment l'essai a pu, par la suite, dériver, a pu se différencier en ces différentes espèces. Les chercheurs qui entreprennent d'établir une typologie de l'essai
sont confrontés à une production gigantesque et polymorphe qui résiste à la généralisation et l'abstraction. De sorte que plus on étudie l'essai moderne, moins on a l'impression d'en comprendre les enjeux. C'est vraiment intimidant quand on commence à lire sur l'essai, qui, plus on lit, plus on est floué, plus on est perdu, parce que le corpus est immense. Et comment dire quelque chose de pertinent quand le corpus est si vaste? Comment dire quelque chose qui va tenir le coup, qui va être valide pour toutes ces catégories, toutes ces espèces que je viens d'évoquer? Oui, je peux définir assez facilement l'essai littéraire. Quels sont ses enjeux? Quels sont ses possibles? Mais d'emblée, je dois admettre que ça ne tiendra pas la route pour l'essai scientifique. Et ça ne sera pas la même chose pour l'essai philosophique. Donc, est-ce qu'il y a moyen de réconcilier tout ça et de les mettre en résonance pour établir des traits typologiques communs? C'est la question qu'on va se poser dans le cadre du séminaire. Ce séminaire repose sur l'hypothèse, en fait, que les errances de la critique, quand elles s'aventurent à définir l'essai, et on va voir dans la bibliographie qu'ils sont quand même nombreux à s'être essayés à définir l'essai, toujours de façon lacunaire. Alors, ces errances de la critique, quand elles s'aventurent à définir l'essai, sont imputables à une méconnaissance généralisée de sa nature rhétorique. Alors, l'hypothèse sur laquelle repose le séminaire, c'est qu'on s'est complètement coupé au 20e siècle de l'héritage de la rhétorique. Et ça tient à des circonstances que j'ai déjà évoquées dans mes cours, mais que je vais rappeler rapidement. Au 19e siècle, la rhétorique est jugée suspecte aux yeux des romantiques, qui croient très fort en l'inspiration et qui mettent à l'avant-plan le jeu lyrique. Et ils vont vouloir rompre avec l'esthétique classique qui reposait sur l'empire rhétorique, sur des règles, sur des formes vraiment canoniques et tout ça. Ils vont rejeter jusqu'à l'enseignement de la rhétorique. Alors, depuis les débuts de la littérature, la rhétorique était la matrice, finalement, qui générait tant de créations, tant de textes, tant d'essais de toutes sortes de littéraires. On va tout d'un coup décider de cesser d'enseigner la rhétorique. Et du coup, on va perdre de vue que l'essai est un genre fondamentalement rhétorique. C'est-à-dire qu'on sait bien, on a retenu des éléments quand même de prosodie, de métrique sur l'histoire des genres et tout ça. On sait bien qu'il y a des caractéristiques aux genres qui sont spécifiques et qu'on a définies et qu'on a continué d'enseigner tout au long du 20e siècle. Mais en ce qui concerne l'essai, on a perdu de vue complètement sa nature rhétorique parce que le style employé, les registres employés dans l'essai ne sont plus enseignés. On ne sait plus c'est quoi vraiment le genre démonstratif. On ne sait plus c'est quoi le genre délibératif. On ne sait plus c'est quoi le genre épidictique. On n'en parle à peu près plus. Et l'hypothèse sur laquelle repose le séminaire, c'est qu'en revisitant ces notions-là, qui étaient vraiment fondamentales et qui ont présidé à la naissance de l'essai, quand Montaigne invente le genre, on va voir, c'est lui qui a inventé la forme, vraiment, c'est le premier à avoir écrit des essais. Et c'est rare dans l'histoire de la littérature qu'on peut identifier un homme comme étant le père d'un genre. Je vous mets au défi, là. Nommez-moi le père de la poésie. Nommez-moi le père du roman. Ce n'est pas évident, là. Le père de l'épopée, on pourrait dire Homère, et on serait d'accord, mais ce n'est pas évident encore, là. Est-ce que c'est vraiment lui qui a inventé la forme? La forme épique existait au moins sous forme orale, donc ce n'est pas évident de monter. Et là, on sait que c'est Montaigne, et on sait qu'à l'époque où Montaigne invente la forme, la rhétorique est dominante comme cadre épistémologique, comme cadre méthodologique, comme matrice qui permet de générer des créations de toutes sortes. Donc, on se priverait de quelque chose si on ne tournait pas notre regard d'abord sur cette tradition rhétorique pour essayer de comprendre la nature du genre. Et mon idée, et c'est celle que je vais défendre à travers les présentations magistrales qui vont venir, c'est que si aujourd'hui on a tant de mal à définir l'essai et à comprendre et à s'entendre sur ce que c'est qu'un essai, c'est parce qu'on ignore l'histoire. Et quand on ignore l'histoire, on est condamné à errer, forcément. Alors, c'est pour ça qu'on va devoir faire une large place, du moins dans les premières séances, à l'histoire littéraire. Je ne vous cacherai pas que ça ne me fait pas de peine parce que c'est ma spécialisation première. Alors, je me fais plaisir en remontant au calendrier grec. Mais je vous assure, c'est absolument nécessaire. Et vous n'arriverez à rien
si vous ne passez pas par là, si vous ne faites pas l'effort de remonter dans le temps pour voir comment l'essai a été inventé, dans quelles circonstances il est né, quelles étaient les caractéristiques de la forme initialement, pour voir ensuite ce qu'elle est devenue cette forme, comment elle a évolué à travers les autres auteurs, comment au 17e siècle, 18e siècle, on a récupéré la forme de l'essai et on l'a tiré chacun de son côté vers des formes finalement assez différentes. Et ça va vous permettre de comprendre l'état actuel des lieux. Pourquoi aujourd'hui les critiques se cassent les dents à essayer de définir l'essai? Parce qu'ils ont été privés de tout cet héritage et de cette perspective historique qui aurait éclairé certainement leurs propos. Ce n'est pas vrai que tout le monde ferme les yeux là-dessus. Il y en a qui sont allumés et qui sont au fait de l'histoire du genre et qui savent que Montaigne est l'inventeur de la forme. Mais il n'y a pas encore d'ouvrage qui a entrepris méthodiquement de recenser depuis les origines jusqu'à aujourd'hui les mutations, transformations de la forme. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire modestement à travers notre réflexion. Est-ce que ça veut dire qu'on va parler que de Montaigne? Non, même si au début, vous allez avoir l'impression que c'est un séminaire sur Montaigne. Et je vais en parler beaucoup. Vous allez le lire aussi. Et ça va vous sembler peut-être un peu réducteur, mais c'est absolument fondamental. C'est absolument nécessaire à la bonne compréhension de la forme. C'est trop précieux d'avoir avec nous l'inventeur du genre pour en étudier toutes les subtilités, toutes les possibilités. Elles étaient là déjà en close virtuellement dans le texte. Elles n'ont fait que se manifester par la suite sous différentes formes, sous différentes plumes, mais le potentiel, la virtualité était là. Déjà. Bon, je vais mettre ça en mode silence parce que je vais être harcelé par les textos tout du long. Donc, ça va être important pour nous de parler de Montaigne et de l'histoire, mais on va faire un effort aussi délibéré pour ne pas larguer la modernité. Okay? Parce que souvent, les étudiants qui s'inscrivent au cours ne sont pas nécessairement intéressés par l'histoire littéraire, a priori, et vous avez envie d'entendre parler d'autre chose que Montaigne, et je le conçois tout à fait. Alors, on va, chacun des séminaires, introduire un essayiste nouveau. On va avoir un format qui va nous amener à parler de l'essayiste du jour. Alors, mon défi à chaque fois, et ça ne sera pas la même chose que la dernière fois que j'ai donné un séminaire, des fois je tombe sur des lectures que je n'avais pas faites avant, et puis je me dis, ah, ça serait intéressant de présenter ça. Donc, je n'ai aucune idée exactement de ce que je vais vous dire et qui va être l'essayiste du jour la semaine prochaine, mais je vais vous présenter un essayiste du jour où on va, en début de période, prendre connaissance d'abord d'un texte que j'aurai rendu disponible avant le cours sur Moodle. Alors, vous serez invité à aller voir sur Moodle le texte. Je vous enverrai un message pour dire, OK, le texte a été déposé. C'est l'essayiste du jour, cette semaine. On va en parler ensemble. Et on va lire un extrait très court. Souvent, c'est une page seulement. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui fait que ce texte-là est un essai. Puis on va essayer à chaque fois de partir de ça pour définir le genre. Dire, OK, ça, c'est un texte... d'Albert Camus, qu'est-ce qui le qualifie comme essai? Sa forme, son propos, les considérations, puis on va s'essayer à définir un petit peu l'essai à partir de cas spécifiques. Et on va voir différentes formes, et des fois, je vais vous arriver avec des trucs un peu extrêmes, c'est-à-dire que au lieu de vous présenter un texte qui est véritablement... qualifié ou catégorisé d'essai, vous arrivez avec une chronique de journal, par exemple, un chroniqueur, comme Richard Martineau, mettons. On part avec ça, puis on se dit, OK, qu'est-ce qui en fait potentiellement un essai? C'est une chronique, on s'entend, c'est écrit dessus, chronique, mais est-ce que ça ne pourrait pas aussi être considéré ou rattaché à une forme, une pratique essayistique? Et pourquoi? Et où? Et comment? Et on va essayer d'étirer un petit peu le concept. Et on pourra même aller jusqu'à déborder du cadre traditionnel des genres en prose. Et je pourrais vous soumettre parfois des formes poétiques et vous dire, voici un texte que je considère, moi, comme un essai. C'est écrit en vers. Ça peut être en prose poétique, mais parfois, ça peut être carrément versifié avec une métrique régulière et tout. Et je vous dis, c'est un essai. Discutons. Discutons qu'est-ce qui, d'après vous, marche pas dans ma présomption que ça, c'est un essai.
Et là, vous pouvez me dire, ben, attendez, c'est un poème d'abord, un essai, oui, parce qu'il réfléchit, mais tous les textes ont une dimension réflexive. Même les textes narratifs, à un moment donné, entreprennent de réfléchir à des choses. Ce n'est pas parce qu'il y a une dimension réflexive dans ce texte que ça le qualifie comme essai. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dégager comme caractéristique de ça? Et on pourra pousser l'audace jusqu'à prendre une boîte de céréales et se demander s'il n'y a pas une composante essayistique dans le texte qu'on retrouve à l'arrière. Je plaisante à peine. Hein. On peut en voir partout, à un moment donné, des essais. On va voir que l'essai est un genre qui contamine les autres formes. Et c'est un genre qui a pénétré très profondément tous les genres littéraires contemporains, particulièrement aujourd'hui, c'est très, très marqué. On sent la présence de l'essai, la tentation essayistique, elle est omniprésente dans différents genres et notamment dans le genre romanesque. Et on va voir que il est parfois pertinent de prendre un extrait de roman et de le considérer, de le lire comme un essai. Et parfois, on apprend plus sur l'essai à faire ça qu'en lisant simplement des essais qui sont classés à la librairie dans la catégorie essai. Il y a des romanciers qui sont en fait des essayistes, qui s'ignorent. Ils se définiraient jamais eux-mêmes comme des essayistes. Mais il y a une dimension réflexive inhérente à leur pratique qui est dominante, en fin de compte. Et on va voir que ça va nous aider à élargir notre définition d'essai. On va voir des textes de chansons, même. Je me souviens d'un exposé qui avait été présenté ici, dans le cadre de ce séminaire, par un étudiant qui avait pris des textes de Georges Brassens et qui avait voulu montrer comment il y avait une composante essayistique dans les chansons de Georges Brassens. Très intéressant. Et au final, très convaincant. Effectivement, il y a une dimension réflexive indéniable. Un commentaire, la présence d'un jeu, d'une subjectivité forte. Et ce sont des marques de l'essai qu'on va discuter prochainement. Alors, on retiendra ça, que ce séminaire vise finalement à expliciter les catégories rhétoriques qui constituent le genre. Et c'est pour ça qu'on va s'attarder si longuement à la pratique de Montaigne et à l'histoire de la rhétorique d'abord du premier séminaire. Tout en maintenant cette formule, c'est-à-dire qu'en début de période, à chaque fois, on va parler d'un auteur contemporain. On va faire le va-et-vient entre Montaigne et l'époque contemporaine. Ça pourrait être le 20e siècle, ça pourrait être le 21e siècle, parfois aussi le 19e, pourquoi pas. On fera des sauts comme ça et on va essayer d'élargir le plus possible le corpus parce qu'on ne veut pas se limiter seulement à Montaigne. Il y a trop d'essais à lire pour ne lire que les essais de Montaigne. Identification de cours. Ce cours de 3 crédits est optionnel pour les étudiants et les étudiants de 2e et 3e cycle en études littéraires et se trouve dans les programmes suivants. Maîtrise en lettres, doctorat en lettres. Quels sont les objectifs généraux maintenant? Eh bien, vous avez étudié l'essai dans sa spécificité générique. Je vous l'ai dit, ce cours participe de la théorie des genres, d'une réflexion générique à travers les pratiques diverses qui le caractérisent. Alors, c'est à dessein qu'on va être confronté à des textes qui sont dans la marge, que d'emblée, vous allez peut-être être tenté de rejeter en disant « Mais attendez, ce n'est pas un essai, ça. Ce n'est pas un essai, c'est un poème. Ce n'est pas un essai, c'est une boîte de céréales. » Oui, mais on peut aussi y voir des caractéristiques propres à la forme. En quoi l'essai est-il un genre privilégié pour la pensée critique? Pourquoi est-ce que, spontanément, les gens qui entreprennent de réfléchir aujourd'hui vont si volontiers adopter la forme de l'essai? Je pense à mes collègues, à mon collègue Michael Lachance, qui est un théoricien de l'art, quand il écrit spontanément, ce qui lui vient le plus naturellement, c'est la forme essayistique, la prose essayistique. Et une prose des plus belles qui soient, hein, au niveau de la forme, c'est vraiment d'une élégance rare. Il faut savoir que Michael est un poète, d'abord et avant tout, et sa prose est particulièrement poétique. Mais c'est la forme que prend sa pensée critique, comme si ça allait de soi. Mais pas nécessairement, parce que est-ce que la pensée critique a besoin de tant d'élégance? Est-ce que la pensée critique a besoin de se mêler de poésie? Pas nécessairement. Mais pourquoi est-ce qu'on retrouve ça souvent? Cette tentation, cette contamination de l'essai partout. Alors, en quoi l'essai est-il un genre privilégié pour la pensée critique? Qu'est-ce qui distingue sur le plan de l'énonciation l'essai des autres genres? Parce qu'une façon d'appréhender la forme, ça va être aussi de la confronter à d'autres formes. De dire, OK, ça, c'est une dissertation, on s'entend, et on sait comment fonctionne une dissertation.
Et ça, c'est un essai. Ils ont des traits communs, mais ils ont aussi des traits nettement distinctifs qui font qu'on ne peut pas les confondre. On ne doit pas les confondre. On ne peut pas confondre essai et dissertation. Alors, on va se demander qu'est-ce qui se passe au niveau de l'énonciation. Qu'est-ce qui change entre le mode dissertatif, le mode du traité philosophique, parce qu'on a des traités philosophiques qui ont été écrits par Francis Bacon, par exemple, et on a aussi des essais de Francis Bacon. Alors, qu'est-ce qui, entre le traité et l'essai philosophique, change? Qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui les distingue? C'est le même auteur qui tantôt intitule son ouvrage traité, tantôt essai. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Et qu'est-ce qui nous permet de mieux comprendre, de mieux appréhender la forme à travers ça? Comment l'essai accède-t-il au statut d'œuvre littéraire? Qu'est-ce qui fait qu'un essai, à un moment donné, qui a été écrit parfois dans un cadre universitaire, on a fait un essai comme Jean Sarovinsky sur Montaigne en mouvement, tout d'un coup, revêt par son élégance, par la richesse de sa prose, un statut littéraire qui était inattendu, qui n'était même pas désiré par l'auteur au départ. Il n'y avait pas de prétention. Mais la prose est à ce point élégante qu'il serait légitime de considérer que c'est une œuvre littéraire, à un moment donné. Essai et pensée idéologique, on va voir que l'essai se préoccupe souvent d'idéologie, est un tissu d'idéologie, en fait, et est à peu près impensable en dehors de l'idéologie. Langage intellectuel et métaphorique, on va voir comment il recourt volontiers à un langage métaphorique, comment la poésie le pénètre volontiers, et pourquoi c'est comme ça, pourquoi est-ce que ça se prête si bien à la poésie, l'essai? Pourquoi est-ce que la tentation de faire du style est toujours si forte dans l'essai? On va s'interroger là-dessus. En même temps qu'on réfléchit, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette élégance? Est-ce que c'est une condition sine qua non de l'essai où on peut très bien faire un essai très aride, sans aucune élégance, sans aucune prétention esthétique, et le qualifier d'essai néanmoins. Forme plurielle et mode d'énonciation, on va voir qu'il y a différentes formes d'essai et différents niveaux d'énonciation, différents types d'énonciation. On va essayer de les caractériser, à chaque fois les circonscrire. Au niveau de la méthode, on cherchera à expliciter ce que l'essayistique moderne doit à la pratique montagnienne. Alors, toujours la référence des talons de mesure, ça va être Montaigne, mais pas seulement. Sans exclure d'emblée la possibilité d'une rupture dans la tradition, parce que ce n'est pas tout le monde qui a fait comme Montaigne par la suite. Alors, ils sont nombreux à se revendiquer de la forme après lui et à intituler leurs ouvrages essais, mais ils vont détourner le projet initial de Montaigne et faire quelque chose de complètement différent. Sans exclure d'emblée la possibilité d'une rupture dans la tradition et en demeurant sensible au phénomène d'hybridation et de transposition générique. On va voir que les genres évoluent à force d'hybridation. Un petit peu comme en botanique, on peut hybrider, on peut faire des hybrides de plantes et aboutir à des nouvelles formes. Bien, en littérature aussi, on peut faire ça. Il y a contamination, hybridation de différentes formes qui donnent naissance à un nouveau genre, une nouvelle espèce littéraire, une nouvelle espèce botanique. Et transposition générique, comment on peut aussi transplanter parfois des éléments d'une forme vers une autre sans que la forme soit dénaturée tout à fait. Et c'est très intéressant de s'attarder à ça pour mieux comprendre la dynamique de l'essai. L'analyse des structures discursives de l'essai permettra de mettre en évidence sa filiation avec la rhétorique antique et les circonstances qui l'ont amené à renier cette parenté, provoquant une méprise qui perdure aujourd'hui. Parce que cette méfiance de la rhétorique que j'évoquais tout à l'heure, qui est très forte chez les romantiques et qui a mené à cesser même l'enseignement de la rhétorique, elle était déjà présente chez Montaigne. Et on va la voir poindre souvent et on s'interrogera sur les raisons de ça. Pourquoi est-ce que Montaigne rejette la rhétorique? Pourquoi est-ce que Montaigne critique la rhétorique? Est-ce que l'essai serait un genre anti-rhétorique? Au contraire, le postulat premier du cours, c'est que c'est une forme rhétorique. Alors, c'est quand même étonnant que son inventeur, Montaigne, soit toujours en train de critiquer la rhétorique et de s'inscrire en faux par rapport à celle-ci, alors que je suis en train de dire que c'est un tissu de rhétorique et que Montaigne, le premier, fait usage de la rhétorique, alors même qu'il semble la rejeter. Alors, on s'interrogera là-dessus. Les étudiants seront encouragés dans leurs travaux à choisir des textes pertinents pour leur domaine de recherche. C'est là que votre contribution va devenir très, très importante. Alors, moi, je m'occupe d'histoire, je m'occupe de la perspective du panorama historique, mais vous allez compléter avec des choses qui vous parlent,
des choses qui vous intéressent en ce moment. Vous travaillez sur des corpus contemporains, vous travaillez sur des auteurs particuliers que je ne connais pas, et vous allez voir que je ne connais pas grand-chose au 20e, 21e siècle. En termes d'auteurs, d'essais, en dehors du cours, je n'ai pas lu beaucoup. Donc, vous allez nous arriver avec des propositions, vous allez nous arriver avec des sujets éventuellement d'exposés que je vous invite à penser en fonction de vos préoccupations de recherche. C'est-à-dire, si vous avez un sujet de maîtrise, si vous êtes en train de travailler sur un auteur en particulier, essayez de voir si cet auteur n'a pas écrit un essai et si ça ne pourrait pas devenir l'objet de votre exposé. Alors, ça vous ferait avancer dans votre réflexion sur la maîtrise ou au doctorat, en même temps que ça nous ferait réfléchir à ses contributions sur le plan de l'essai. Et ce n'est pas parce que votre auteur n'est pas un essayiste que c'est impossible d'emblée. Et on va voir qu'il y a des auteurs qui pratiquent l'autofiction, par exemple, chez qui on va pouvoir relever des passages éminemment essayistiques. Donc, on n'exclut pas que, dans le cadre de ce cours, vous puissiez faire une présentation sur un romancier en disant, je vais vous montrer ce qui, dans le travail de ce romancier, qui est mon sujet de spécialisation, je suis en train de faire une thèse de doctorat, un mémoire de maîtrise sur ce romancier, je vais vous montrer ce qui, d'après moi, relève en propre de l'essai. Je vais vous montrer comment il y a eu hybridation de la forme dans sa pratique narrative, comment il y a eu contamination et comment finalement c'est un moteur de son écriture. Et là, je dis romancier, mais ça pourrait être un dramaturge, ça pourrait être un poète, ça pourrait être un chanteur, pour revenir à Georges Brassens. C'était plus audacieux, mais ça tenait minimalement la route. Alors, surprenez-moi, vous pouvez aussi vous rabattre sur un essayiste conventionnel et reconnu, c'est plus sûr, mais on peut pousser notre réflexion plus loin et la provoquer en étant confronté à des textes qui, d'emblée, ne sont pas désignés comme étant des essais, ne sont pas caractérisés comme étant des essais. Et on va voir que l'essai les a contaminés néanmoins, qu'ils portent en eux le germe de l'essai, de la prose essayistique la plus pure, parfois. C'est étonnant. Donc, ça va être ça le défi. Bien sûr, toujours, vous pouvez vous rabattre sur un essayiste reconnu comme tel, mais on peut étirer le concept avec toutes sortes de choses et même un recueil de chroniques. Vous voyez, m'arriver avec un recueil de chroniques. Je parlais de Martineau. Vous pouvez recueillir ses chroniques et dire, ben voilà, est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme un recueil d'essais? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui manque pour que ça se qualifie d'essai? Je sais qu'on avait invité un jour Joël Martel, que vous connaissez peut-être, c'est un phénomène Internet, du Far Web, un ancien étudiant à moi. En fait, il était la première promotion à l'UQAM, la première année que j'ai enseigné. Joël était dans mon cours, tout un hulu-berlu, qui m'avait séduit d'emblée par son imaginaire luxuriant. Là. C'était vraiment quelqu'un de très, très doué pour la création. Sans s'en rendre compte, il a pris très rapidement dans sa pratique la voie essayistique. Il est devenu chroniqueur à un moment donné et il ne s'est pas rendu compte lui-même que ce qu'il faisait, c'était très proche de l'essai. Et un jour, je l'ai invité à parler dans ce séminaire. Il est venu rencontrer les gens, il est surpris que je l'invite parce que lui, il ne se considérait vraiment pas comme essayiste. Mais en discutant avec lui, on a convenu que oui, il y a chez lui une tentation, une pulsion essayistique très, très forte. Et il a fini par l'admettre. Bon, ben, je suis essayiste. et même c'est poli sur le web, en quelque chose, parfois, du micro-essai. On pourra en discuter et peut-être l'inviter à nouveau. Ça serait très sympathique. Les étudiants seront invités donc, à choisir des textes pertinents pour leur domaine de recherche. Des fois, ce ne sera pas possible de trouver un auteur qui fonctionne pour le cadre de ce cours, mais restez pas trop loin. Si vous êtes, je ne sais pas moi, en train de travailler sur des auteurs du 21e siècle dans l'autofiction, ben, allez chercher une autre autofiction, par exemple, qui semblerait fonctionner davantage, mais qui ne va pas trop vous éloigner de votre sujet. Parce qu'il ne faut pas que les séminaires soient vécus comme un détournement de vos objectifs de recherche. L'essentiel, c'est d'avancer dans votre mémoire, dans votre rédaction de thèse, et on ne veut pas que vos forces vives s'épuisent à aller lire à gauche et à droite toutes sortes d'auteurs. C'est bien d'aller chercher des compléments, mais il faut aussi avancer. Et si on peut travailler sur son auteur ou sur un auteur proche, c'est encore préférable. La formule pédagogique maintenant, le professeur établira la problématique dans la première partie du trimestre. Alors, ce sont ces premiers cours très, très historiques que je vous annonce là, qui vont commencer à partir de la semaine prochaine, qui visent à
à prouver ce que j'avance, hein, qui vise à montrer que la problématique tient la route. Si on a de la misère à définir l'essai, c'est parce qu'on s'est coupé de son histoire. Je vais essayer de le convaincre de ça. Vous me direz si ça marche à la fin. À travers une série d'exposés magistraux d'abord, qui porteront essentiellement sur les essais de Montaigne, la typologie du genre et ses avatars modernes, contemporains, mais aussi modernes. C'est-à-dire qu'on va, à un moment donné, quitter Montaigne pour parler de Rousseau, pour parler de Voltaire, pour parler de Kant, éventuellement, pour parler de Sartre, pour parler d'auteurs contemporains, jusqu'à l'extrême contemporanéité. La deuxième partie du trimestre fera une place plus large à la participation des étudiants afin de leur permettre de se situer par rapport aux considérations théoriques développées précédemment. Et ce, à travers une série d'exposés qui porteront sur des essayistes contemporains. Alors, on va essayer de se doter d'un appareil méthodologique pour être capable, après, d'en parler de nos auteurs avec des critères qui fonctionnent, qui sont opératoires. Donc, au début, on va être plutôt magistraux, mais plus le séminaire va avancer, plus je vais vous inviter à intervenir, à participer, à commenter. Vous allez voir, ça va devenir naturel. Vous allez voir des essais partout, et même sur les boîtes de céréales. Il s'agira donc pour chaque étudiant de situer la prose essayistique, que l'œuvre porte ou non le titre d'essai, de tel ou tel auteur en regard de celle fondatrice de Montaigne, non pas tant dans une perspective comparatiste de divergence ou convergence, que pour mettre en lumière de manière contrastée la spécificité rhétorique de l'essai littéraire. Alors, il ne s'agit pas toujours de comparer vos auteurs à Montaigne. On ne va pas dire « OK, moi j'ai travaillé sur tel auteur contemporain », et je vais montrer comment il fait tout à l'envers de Montaigne. On n'est pas obligé de toujours tout rapporter à Montaigne. On peut très bien considérer le texte en soi sans regarder autour. L'horizon, ça sera toujours effectivement ce qu'on aura dit de Montaigne, ce qu'on aura dégagé de l'étude de ces textes, mais on n'est pas obligé de s'y rapporter pour dire « Ah oui, non, c'est un essai parce que ça ressemble à ce que fait Montaigne. Ah non, ce n'est pas un essai parce que ça ne ressemble pas à ce que faisait Montaigne. » Ce n'est pas ça le propos. Montaigne n'est pas l'étalon de mesure universelle. Et ce n'est pas lui qui fait foi de tout. On va voir qu'on a réinventé la forme après lui aussi. Et il faut l'admettre, il n'y a pas le monopole de ce que c'est qu'un essai authentique. En fin de parcours, parce qu'il n'existe pas de meilleur moyen pour comprendre un phénomène que de le soumettre à l'expérimentation, les étudiants seront invités à rédiger un court essai sur le sujet de leur choix. Alors, on va voir tout à l'heure le tableau des évaluations, mais je vous le dis tout de suite, à la fin du trimestre, vous aurez à rédiger chacun un essai. Alors, c'est une façon d'appréhender le problème autrement, parce qu'on va avoir examiné différentes avenues théoriques, mais là, par la pratique, on va avoir une connaissance intime de la forme, on va le découvrir autrement dans une autre perspective, et c'est souvent extrêmement formateur. Je vous promets, il n'y aura pas de note négative, je ne donne pas des moins 4 sur 10, comme Georges-André Vachon, mais ça arrive parfois qu'effectivement, même au terme d'un séminaire, on me remette un texte qui n'est pas un essai et qu'on n'ait pas compris. C'est mon échec, plus que le vôtre. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est arrivé. Alors, ça sera à moi de vous dire pourquoi ce n'est pas un essai tout à fait. Et on va s'assurer de comprendre pourquoi ce n'est pas un essai tout à fait. C'est vraiment au cœur de notre réflexion. Alors, ça peut sembler intimidant parce que vous n'êtes pas nécessairement tous et toutes écrivains, mais c'est pas grave, on peut écrire des essais sans être écrivain. Ça pourrait être plus réflexif pour certains, plus littéraire pour d'autres, mais c'est sûr que vous n'y échapperez pas. Ça fait partie des prérequis, des conditions de ce cours. Les étudiants seront invités donc à rédiger un court essai sur le sujet de leur choix. Vous aurez l'embarras du choix, tout est possible. Le correcteur se montrera d'une clémence infinie pour la valeur littéraire du résultat, mais sera par ailleurs intraitable quant à la mise en œuvre caractéristique du genre, laquelle témoignera du degré de compréhension des enjeux théoriques du séminaire. Alors, si vous me faites un essai très académique où le jeu est absent et voilà, vous êtes à côté. Là, et rendu là, vous comprendrez pourquoi vous êtes à côté. Et ça ne devrait pas arriver. Donc, je ne vous corrigerai pas sur un mérite littéraire, bien que je l'apprécie. Et des fois, la plus belle prose séduit et nous ravit, mais ce n'est pas ça l'enjeu, c'est de montrer qu'on a compris c'est quoi un essai. Et c'est en l'écrivant, peu importe le sujet, peu importe la forme, qu'on va approfondir le plus la compréhension du genre. Alors, vous avez le calendrier qui suit. Je ne lirai pas le détail, vous avez une présentation générale et problématique, c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
La semaine prochaine, on va parler de l'invention de l'essai, des auteurs qui ont agi comme précurseurs. Vous allez voir rapidement que même si je prétends que c'est Montaigne qui a inventé l'essai, vous avez peut-être déjà lu des textes de l'Antiquité, de pères de l'Église comme Saint-Augustin, Jérôme, ou encore de philosophes comme Cicéron, Aristote, qui ont écrit des textes qui sont vraiment très proches de l'essai. Et vous pourriez disputer le titre d'inventeur de l'essai à Montaigne en disant « Oui, mais c'est assez proche de ce que fait Plutarque ou Cicéron, Sénèque, mais est-ce que vraiment Montaigne a inventé quelque chose ou a essentiellement récupéré ce que les autres ont fait? » Ce sera à moi de vous montrer qu'est-ce qui départage le travail des précurseurs du travail que fait Montaigne. Et ça se fera sur quelques semaines. Il sera question de l'invention de l'essai, les précurseurs suite et fin de la semaine d'après. Les essais de Montaigne, on va en faire une présentation générale. Quand on aura vu les précurseurs, on en viendra à s'attarder davantage sur le texte de Montaigne et vous aurez eu le temps de le lire. Parce que je vous présente à la suite de ça, et je vais le mettre sur Moodle tout de suite après le cours, un calendrier des lectures suggérées. Pour qu'on puisse vraiment s'entendre et comprendre de quoi on parle, il faudra lire en parallèle avec les cours qui vont venir les essais pertinents. Alors, vous allez voir que souvent, ça coïncide avec le cours où ils vont être présentés. Alors, si vous les avez lus, c'est tant mieux, ça va être beaucoup plus facile de suivre. Si vous ne les avez pas encore lus, ça va être un peu laborieux. Alors, je vous invite à suivre le calendrier que je vais vous distribuer parce que vous pourrez vous repérer. C'est-à-dire, OK, cette semaine, on lit des essais du livre 1. Et je dois en lire trois pour être capable de suivre le propos. Donc, le calendrier correspond pas mal à ce dont on doit discuter. Et c'est pour ça que j'attends la quatrième semaine pour vraiment entrer dans le vif du texte, pour que vous ayez eu le temps de lire. Et je vous avertis tout de suite, c'est une lecture redoutable. Je m'y suis cassé les dents souvent moi-même. J'ai commencé à lire Montaigne au bac. C'est dans cet exemplaire-là, dans cette édition-là, que j'avais acheté dans le cadre du cours de Georges-André Vachon. Je me souviens du premier chapitre que j'ai essayé de lire et comprendre, c'était que philosophie, c'est apprendre à mourir. Livre 1, chapitre 20. Et j'ai dû le lire 20 fois avant d'à peu près comprendre quelque chose. Et à peu près. Et aujourd'hui, je réalise que je ne comprenais vraiment pas grand-chose, hein, en fin de compte. Là. Mais c'est normal que ça vous dépasse. Et il faudra accepter d'être dépassé au départ. Il faudra accepter que vous perdiez le fil du propos. Que Montaigne manifestement radote, que Montaigne va dans tous les sens. Et oui, vous avez le droit de dire, mais attendez, là, il est complètement à côté de son propos. Là. Son titre annonce qu'il va parler de ceci, mais il parle de cela. Là. Oui, il le fait constamment. Oui, il a l'air parfois d'un vieux gâteux. Et oui, on aurait envie de réprimander, de nous larguer aussi systématiquement. Mais il faudra l'accepter, ça. Et il faudra accepter d'être dépassé, de ne pas tout comprendre. Et vous allez voir que plus vous allez lire, plus vous allez tomber sur des passages qui vont vous interpeller. D'abord, ce qui est fascinant chez Montaigne, c'est que cet auteur qui vivait au 16e siècle a des pensées d'une actualité absolument savoureuse. Il y a des fois où vous allez rencontrer des pensées, des réflexions que vous êtes passées vous-même la veille, vous pensez à quelque chose, puis là, vous lisez Montaigne, puis Montaigne se dit exactement la même chose. À 500 ans d'écart, là, il pensait comme vous, là. Et cette rencontre, ces rencontres, qui sont nombreuses, vous allez voir dans les essais, sont la partie la plus jouissive de l'expérience. Et vous allez, si vous lui donnez la chance, finir par entrer dans le texte et comprendre le texte. Mais au départ, ça va vous dépasser. Et ce n'est pas parce que vous êtes au doctorat, que vous avez une expérience de lecture chevronnée, que ça va être plus facile. Je vous assure, ça dépasse à peu près tout le monde au départ. C'est sûr qu'on est mieux armé aux études de cycle supérieur qu'au premier cycle, mais d'abord parce que la langue est exigeante. C'est écrit à la Renaissance en moyen français. Et même si les éditions modernes, souvent, vont essayer de produire une syntaxe moderne, ça reste très émaillé de vocabulaire archaïque, de mots d'ancien français, de moyen français. Et on peine à suivre si on ne lit pas les notes de votre page, des petits astérix qui nous expliquent ce qu'il dit, sans compter les innombrables citations latines ou grecques qui ne sont pas toujours traduites en bas de la page. Des fois, il faut aller à la fin et chercher la citation, puis là, on perd le fil du propos. Voyons qu'est-ce qu'il dit. Ah oui, non. Ah, ouais. Et ça, c'est vraiment difficile. Mais accepter
d'être dépassé, accepter de n'y rien comprendre, accepter de lire un texte et de perdre le fil 100 fois, comme je l'ai fait. Et je vous dis, si vous persistez, vous allez tomber amoureux de cet auteur. Moi, c'est le livre de ma vie. Si on devait m'exiler, je le dis souvent, sur une île déserte et ne me donner le droit d'emporter qu'un seul livre, ça serait Les Essais de Montaigne. Tout est là. Je n'ai besoin de rien d'autre. Et je triche un peu parce que c'est 3 volumes, en fait. Mais c'est un seul livre en même temps. Il y a toute la poésie du monde là-dedans. Il y a toute l'histoire, la philosophie du monde. C'est d'une richesse infinie. Et la raison pour laquelle c'est dur, c'est pas seulement pour la langue, c'est pour la culture infinie que c'est ce texte convoque. Il faut vraiment avoir beaucoup lu pour comprendre toutes les allusions historiques, littéraires, les anecdotes qui sont rapportées, les clins d'œil que Montaigne fait. Et franchement, moi-même, j'y suis pas encore. Hein. Je lisais Montaigne pour mon plaisir cet été, puis il y a plein d'allusions, d'anecdotes qui m'échappent encore. J'ai beau lire les notes de votre page, j'ai beau référer à telle édition, il y a des choses qui m'échappent. Mais à chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. Et à chaque fois, j'avance et je progresse dans ma compréhension de Montaigne. J'en suis à peu près à ma 10e lecture. C'est pas toujours mur à mur, là, du début à la fin, mais là, je relisais pour le plaisir le livre 3. Et j'apprends des choses nouvelles à chaque fois. Donc, il y aura ces lectures à faire. Vous suivrez le calendrier de lecture. En parallèle avec ça, il y aura d'autres lectures dont je vais parler tout à l'heure. Il y aura un livre à se procurer qui va vous donner du côté théorique. Où là, on va être confronté à différents essais sur l'essai. En fait, texte critique quand on vient de réfléchir sur l'essai. Et ça va nous faire progresser dans notre réflexion. À la 6e semaine, vous voyez qu'on annonce la remise du compte-rendu. Je vous dis tout de suite, il s'agira de faire en fait le compte-rendu d'un article de ce livre. Et il y a plusieurs articles sur l'essai. Vous allez les lire, ces articles, et vous allez trouver un auteur avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Parce que c'est plus facile de faire un compte-rendu critique quand on n'est pas d'accord. Quand on est d'accord, on ne trouve rien à redire. Mais vous allez trouver, et même forcer un peu la chose, parce que des fois, on se laisse intimider, on lit des grands auteurs là-dedans, Kampmann, Adorno, Lukács. Et là, ce n'est pas évident de dire, je vais critiquer Lukács et dire que Lukács a tout faux. On est un peu intimidé, mais pourtant, Lukács, je vous assure, a tout faux. Et Adorno aussi, il y a beaucoup à redire de ce qu'ils ont dit. Alors, vous allez trouver un texte là-dedans qui vous parle, et vous allez entreprendre d'en faire d'abord le résumé. Un compte-rendu, c'est un résumé, d'abord et avant tout. Mais c'est un compte-rendu critique. Donc, après le résumé, il va falloir dire qu'est-ce qui ne va pas. Essentiellement, ces auteurs ont essayé de définir c'est quoi un essai. Et à chaque fois, ils se sont plantés. Vous allez me dire en quoi ils se sont plantés. Alors, il ne s'agira pas de parler de l'ensemble, mais seulement d'un auteur qui vous a interpellé. Et ça se pourrait que vous n'ayez pas envie de tout lire. Ça se pourrait qu'en lisant Lukács, vous ayez envie de gerber et vous ne soyez pas capable de passer les 5 premières pages. Ça se pourrait que vous sautiez tout de suite à Adorno et que vous ayez encore envie de vomir, encore plus, que vous alliez tout de suite du côté de Bello ou de Marc, j'ai oublié son nom. Alors, il y en a plusieurs là-dedans. Vous allez forcément trouver quelqu'un qui, Marc-Ange Bouy, qui vous parle, qui vous interpelle. Et tant pis, si vous n'avez pas tout lu, ce n'est pas plus grave. Il n'y aura pas de contrôle de lecture. Vous pouvez lire aussi selon ce qui vous parle d'emblée en lisant les titres. Ah oui, ça, c'est dans mon domaine. Je vais aller voir de ce côté-là. Et je vous assure, vous allez trouver quelque chose qui cloche. Et d'ici à ce qu'on soit rendu à la présentation, à la remise des comptes rendus, on aura assez de caractéristiques de l'essai et assez de critères définitoires pour que vous soyez en mesure de dire non, ça ne fait pas le tour. Ce que Kaufmann fait est intéressant, mais il manque un certain nombre de caractéristiques. Il ne rend pas compte, par exemple, de telle tradition. Il ne dit rien de la tradition philosophique. Il ne dit rien de la pratique de l'essai dans le domaine académique. Et on ne peut pas se couper de ça dans une définition qui tiendrait la route. Il faut être capable de rendre compte des autres formes aussi, des autres modalités de la prose essayistique. Donc, vous serez en mesure, rendu là, de réfléchir par vous-même à ce qui fait problème, aux lacunes qu'il peut y avoir dans ces textes. C'est tout simple et ça tient sur 5 pages. Okay? C'est rien de casse-pied, 3 pages de résumé à peu près, 2 pages de réflexion critique. Ça s'écrit tout seul. Vraiment, là, c'est pas un devoir difficile.
Il y a la relâche ensuite. Ensuite, on revient sur la rhétorique de l'essai, toujours en parallèle avec nos explorations de l'essayiste du jour et des différentes modalités possibles. Suivra une série d'exposés. Alors, il y a plusieurs séances prévues. On verra quelle forme ça prend exactement, mais la plupart du temps, c'est un exposé d'une heure. Alors, chacun de vous devra présenter l'exposé d'une heure. Vous pouvez le faire ad lib, en improvisant, ou vous pouvez lire un texte tout du long. Vous n'êtes pas pénalisé. Okay? Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'improvisation, vous pouvez très bien écrire votre texte. Je vous le dis, une heure, c'est 20 pages. Si vous voulez tenir une heure, c'est une vingtaine de pages. Une communication de 20 minutes, c'est à peu près 10 à 30 pages. Donc, en étirant un peu, puis en lisant des extraits, 20 à 25 pages, on devrait arriver à une heure. Vous pouvez aussi partir simplement de notes et improviser, c'est bienvenu aussi, mais vous ne serez pas pénalisé si vous optez pour une forme ou pour l'autre, si vous lisez votre texte ou si vous improvisez, il n'y a pas de point retranché ou point boni. Et chacun de vous, donc, devra nous présenter, dans le cadre de ces exposés, un essayiste ou un texte qui pourrait postuler, prétendre au titre d'essai. Sinon, un texte, du moins des passages, du moins des extraits, que vous allez essayer de nous convaincre d'adopter dans cette perspective générée. À la fin, donc, du cours, synthèse le 7 décembre, on va passer en revue tous les éléments que vous allez avoir dégagés à travers vos exposés et on va amender notre définition de l'essai. Moi, je vais vous présenter en mi-parcours une typologie d'essai, la mienne. Et vous, votre devoir, ça va être de l'amender, de dire non, ça je ne suis pas d'accord, ça ne marche pas. Moi, je propose plutôt qu'on dise ça. Et à travers vos exposés, chacun de vous allez amender la typologie, la développer, la compléter pour qu'on arrive finalement à une définition opératoire satisfaisante au terme de l'exercice. Et ça ne sera pas la même que la dernière fois. Quand j'ai donné le séminaire la dernière fois, si on compare nos notes, on n'aura pas les mêmes critères tout à fait. Et ça serait intéressant d'ailleurs de sortir de mes archives ce qui a été dit là, parce qu'à chaque fois, on découvre des choses nouvelles, des formes inédites d'essai. Alors, c'est très intéressant de voir l'infini richesse de la forme. Les dates importantes sont rappelées ici, je ne m'attarde pas plus longtemps. L'évaluation dans le détail, c'est un compte-rendu critique d'un des articles de l'anthologie. C'est ce texte que vous pouvez procurer à la coop. Je vais, bien sûr, dans le plan de cours, préciser à l'attention de ceux qui participent virtuellement au cours où on peut se procurer ça. Ça se commande en ligne, finalement, sur Amazon ou Renoubré ou les bouquinistes assez facilement. Il a été réédité récemment, donc c'est assez facile de se le procurer. Ça, c'est les lectures obligatoires. Vous avez Dumont, approche de l'essai, donc. C'est ça. C'est un compte-rendu critique, pardon, des articles de l'anthologie. Ce livre-là va vous servir pour ça. Un exposé oral qui compte pour 40%, on était dans l'évaluation, et un essai libre qui va compter pour 20%. J'étais en train d'anticiper sur les lectures obligatoires parce que je vous parlais de ça qui va servir pour le compte-rendu. Mais vous pouvez aussi déborder pour le compte-rendu. S'il s'avérait que, lisant ce recueil, vous ne trouvez pas un texte qui vous parle et que vous n'avez pas envie de faire le compte-rendu de personne parce que vous avez eu envie de vomir en lisant chacun des textes, allez en chercher un ailleurs. Et ailleurs, c'est dans la bibliographie ici que vous allez en trouver. Et vous pourriez décider, par exemple, de prendre, je ne sais pas moi, mon ancienne collègue Francine Bellil, qui à l'époque portait le nom Bellil des Tourneaux, qui a écrit un texte qui s'appelle « L'essai littéraire, un inconnu à plusieurs visages ». Ça date un peu, 1972, mais c'est incroyablement pertinent encore. Elle a dit des choses vraiment intéressantes de l'essai, mais en même temps, elle n'a pas tout dit. Alors, vous pourriez dire, ben moi, je vais prendre le texte de Francine Bellil et je vais en faire un compte-rendu critique. Vous avez le droit de déborder de ça. Okay? Donc, à la limite, vous pourriez ne pas l'acheter. Anthologie, si vous voulez, vous allez vous priver quand même de lectures très, très stimulantes. Il n'y a pas que des textes à gerber, il y a des textes intéressants aussi. Ceux de Marc Angenot, notamment, Robert Vigneault et Anne Langlais, André Bello, sont très, très intéressants. Et ce n'est pas facile de trouver des choses à redire, mais il y en a. Mais vous pourrez choisir aussi un autre texte si vous voulez faire un compte-rendu de ceux-là. Alors, dans les ouvrages obligatoires maintenant, il y a bien sûr Approche de l'essai qu'il faudrait idéalement se procurer, même si je viens de dire qu'on pouvait aussi aller en dehors, et il va y avoir les essais de Montaigne. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez acheter dans n'importe quelle librairie qui se respecte les essais, dans l'édition, la collection Folio, chez Gallimard aussi, Flammarion, vous avez des essais, des éditions de toutes sortes. Je vous invite à ouvrir le livre
et à lire quelques phrases d'abord pour savoir si c'est la bonne édition pour vous. Parce qu'il y a des versions en français modernisées et ça va être peut-être plus facile pour vous, ces versions modernes. Si vous avez la graphie du 16e siècle avec un même mot qui est orthographié de trois manières différentes dans la même page, je vous le dis, c'est déroutant. C'est déroutant. Moi, j'y arrive, là, mais parce que c'est ma spécialisation puis c'est mon siècle de prédilection, mais ça se pourrait que vous allez préférer un livre en français moderne. Vous pouvez aussi le trouver très facilement sur le web. Les essais, l'intégralité des essais est disponible sur le web. Vous cherchez un titre, vous pouvez très bien trouver l'essai et ce sont des chapitres. Alors, vous pouvez imprimer. La plupart du temps, ça va tenir sur moins de 5 pages. Alors, vous pourriez dire, ben, moi, je n'ai pas envie de l'acheter, je veux simplement imprimer. De toute façon, on ne lit que quelques extraits ou quelques essais seulement. Alors, je vais imprimer simplement ou lire à l'écran ou sur mon iPad les essais en question. Libre à vous de le faire, ce n'est pas un problème. Mais l'édition la plus pertinente, ce sera toujours celle qui distingue, et vous allez voir, je vais faire circuler celle-ci de Garnier et Flammarion, celle qui distingue l'édition de couche de rédaction. On va apprendre que Montaigne a révisé sa copie à travers sa carrière. Il a écrit une première version, et puis après, il est revenu. Il publie en 1580 une première version des essais, les deux premiers livres, en fait. Et il continue. Devant le succès phénoménal de la chose, il se rend compte qu'il y a un lectorat qui l'attend. Et il va écrire un troisième livre. Et en même temps qu'il publie le troisième livre, il va publier une version amendée, enrichie des livres qu'il avait publiés la première fois en 1588. Donc, avec des couches de rédaction supplémentaires. Ce texte, il est intéressant parce qu'il y a des barres obliques qui mentionnent que le texte que vous êtes en train de lire, la phrase que vous êtes en train de lire, date de 1580 ou d'après. Première couche de rédaction, deuxième couche de rédaction ou troisième couche de rédaction. Troisième couche de rédaction, c'est après l'édition de 1588. Montaigne va continuer à écrire en marge de son texte, à l'enrichir, à l'annoter. Et l'édition posthume va rendre compte de ses modifications, celles qu'il aurait voulu apporter au texte avant sa mort, mais qu'il n'a pas pu finalement publier. Alors, le texte nous rend compte, donc, de ces différentes couches de rédaction et de l'évolution de la pensée de Montaigne à travers le temps. Alors, je fais circuler, vous allez voir que ces petites barres obliques sont subtiles et parfois, elles sont remplacées par d'autres mentions. Ça va être A, B, C. Dans l'édition Cadrige, par exemple, vous avez des couches de rédaction A qui correspondent à la première édition, B à l'édition 1588 et C à l'exemplaire de Bordeaux, l'édition posthume après la mort de Montaigne. Alors, on a rassemblé ses notes et on a vu qu'est-ce qu'il voulait faire de son texte. Et ça change radicalement la façon de comprendre les essais quand on tient compte de ça. Hélas, la plupart des éditions ne comportent pas ces marques parce qu'on juge que ça alourdit la lecture. Les barres obliques, effectivement, tout propos, des ABC, ça peut être déroutant a priori, surtout quand on ne sait pas à quoi ça rime. Mais moi, je vous assure que c'est une richesse. Et sur le web, vous pouvez trouver des exemplaires, des essais au complet avec ces annotations, avec ces barres obliques, avec ces ABC, qui distinguent l'édition de couche de rédaction. Et je vous invite à privilégier ces éditions-là. Vous allez voir que c'est une montre Montaigne dont la pensée évolue beaucoup. Non, je vous avais vu lever le crayon, je vous demandais si vous aviez une question. Alors, ça vaudrait la peine de se procurer ces textes. Je ne vous dis pas qu'il faut aller vous procurer l'édition de la Pléiade. Elle est sans doute très bonne, mais ce n'est pas requis. Moi, mon édition de prédilection, c'est Cadrige, des presses de l'Université de France, parce qu'elle distingue les couches de rédaction, parce qu'elle est en moyen français, mais ce n'est pas nécessairement celle pour tout le monde. Prenez une édition que vous êtes capable de lire assez confortablement, puis ça va être suffisant. Tant pis s'il n'y a pas les couches de rédaction, mais ça serait intéressant si vous êtes capable de mettre la main dessus. Alors, ça, c'est la lecture obligatoire. Là, il y a un débordement qui donne la pensée que tout doit être lu. Normalement, après lecture obligatoire, vous devriez avoir une bibliographie sélective qui se détache, mais c'est comme ancré tout de suite après la mention de l'approche de l'essai de François Dumont à la page 4 au bas. Vous avez donc bibliographie sélective. Ça, ce n'est pas obligatoire. Vous n'avez pas à lire tout ça. Ce sont des lectures introductives et je vous identifie rapidement des textes qui pourraient être intéressants pour le compte-rendu. René Audet, mettez une petite étoile à côté. Il est brillant, ce type, et il a fait des choses vraiment très, très pertinentes sur les sites. S'il y a quelqu'un qui s'est approché vraiment d'une définition satisfaisante de la forme essayistique, de la prose essayistique, c'est René Audet.
c'est, je pense, notre meilleur théoricien de l'essai au Québec et at large, même internationalement, là, je pense qu'il a fait des avancées considérables. Ça vaut le détour. Ça date un peu, mais il y a quand même des éléments intéressants qu'on va reprendre de toute façon dans notre propos. Je vais citer René Audet à plusieurs reprises. Vous allez voir qu'il y a des trésors de ce côté. André Bello, vous serez appelé à le lire parce qu'il a contribué à cette édition, cet ouvrage finalement qui rassemble les réflexions de différents auteurs. Alors, André Bello a écrit beaucoup de textes sur l'essai, notamment Approche et situation de l'essai québécois. Donc, vous pourriez vouloir approfondir un peu ce qu'il a fait. Il est très intéressant, André Bello, très agréable à lire, très clair, très facile d'accès. Donc, si vous vous sentez un peu largué par Théodore Adorno, et je vous comprendrai, je me sens largué moi-même, vous pouvez très bien aller chercher un propos plus simple, plus clair chez André Bello, qui est un grand pédagogue en même temps qu'un grand savant. Alors, il y a des choses intéressantes de ce côté-là. Alors, je passe rapidement. Francine Bellé, j'ai dit que c'était bien. Je persiste et je signe. François Dumont, c'est le responsable de cette anthologie. Il a aussi dirigé La pensée composée, forme de recueil et constitution de l'essai québécois. Pour y aller voir ce qui se passe de ce côté-là. On retrouve des noms qui sont dans l'anthologie, comme Kaufmann, Bello, déjà. C'est toujours pertinent. Marc Litz aussi, pour une définition de l'essai, des lettres romanes, très intéressant, même si ça date de 1990. Lukács, vous l'avez déjà dans ça, comme Jean Marcel, ce sont des auteurs qui sont dans l'anthologie. Starbinski, je parlais tout à l'heure de Montaigne en mouvement, très intéressant, mais qui ne va pas vous renseigner vraiment sur ce que c'est qu'un essai, tellement que ce que c'est qu'un essai montagnier. Qu'est-ce qu'un essai selon Montaigne? Donc, peut-être moins pertinent pour une définition générique. Par contre, et j'ai sauté rapidement, François Ricard, mon ancien professeur, qui hélas est décédé cette année d'une longue maladie, ça m'a donné un sacré coup parce que c'était un pilier de l'institution où j'ai étudié à la maîtrise, l'Université McGill. Il a écrit des choses brillantes sur la littérature québécoise et notamment sur l'essai dans l'étude française, volume 13, en 1967. Vous voyez, ça date souvent. Hein? Il n'y a pas tant de monde que ça qui se sont risqués à parler de l'essai récemment dans les dernières années. Donc, vous pouvez choisir là-dedans éventuellement si vous ne trouvez pas un compte-rendu à tirer de cette anthologie. Les critères d'évaluation sont les mêmes que pour les autres cycles. 20% vont à la qualité de la langue, orthographe, grammaire, syntaxe, vocabulaire, ponctuation. Qualité du discours, 20%. Introduction, conclusion pertinente, organisation textuelle cohérente, clarté du style, mais comme vous allez écrire un compte-rendu et que ce n'est pas une dissertation, un compte-rendu, c'est des critères qui s'appliquent plus ou moins. Bien sûr, on va s'attendre à une certaine organisation textuelle, mais il n'y aura pas une introduction comme dans une dissertation où vous devez amener sujet, posé, divisé. C'est pas ça. Un compte-rendu, c'est d'abord un résumé. Et ça épouse la forme du texte qu'on résume. Et après ça, on fait une critique, un compte-rendu critique. Et la critique, elle est méthodique et elle reprend des éléments les plus pertinents. Alors, le professeur détermine le nombre de points attribués pour chaque élément compte tenu de la nature d'évaluation. En ce qui a trait à la qualité de la langue, chaque faute fera faire un point sur 100 jusqu'à un total de 20 points. C'est la même chose que pour tous les cours. De même, l'intervalle de cote. De même, les mentions sur le plagiat dont je vous fais grâce. Cette précision, ordinateur portable et téléphone cellulaire en classe. Il y a une résolution qui, naguère, disait qu'on n'avait pas le droit d'avoir de cellulaire ou de téléphone en classe. J'en ai un moi-même, j'ai un ordinateur aussi. Je suis mal placé pour vous dire que vous n'avez pas le droit d'en apporter. Moi, je n'ai absolument aucune réserve par rapport à ça. Là. Vous pouvez très bien apporter les téléphones, laissez-les en mode silencieux. Et ordinateur, je pense qu'il y a un outil de note très, très important. Alors, ça ne me gêne pas. Vous pouvez le faire sans problème. Et puis, tant mieux si vous préférez écrire à la mitaine aussi, ça se fait aussi encore. Alors, voilà pour ça. Ça complète la présentation du plan de cours. Est-ce qu'il y a des questions, propositions? Parce que vous savez que c'est un contrat, le plan de cours, qui nous lie. Vous pouvez voter sur des amendements, sur des modifications. Vous pouvez rejeter certains critères d'évaluation. On peut en discuter et s'entendre sur une forme qui nous convient davantage.
Pour Montaigne, ce sera que dans les livres de forme ou dans les... Non, oui, vous me faites penser que j'avais promis le calendrier. Et avant de discuter de ça, enfin, on va peut-être ouvrir la place aux questions, puis après, on va regarder rapidement le Oui. calendrier. Et non, il va y avoir les trois livres, en fait. D'accord. Vous allez devoir parcourir certains chapitres de chacun des trois livres. D'accord. Et on va voir qu'on va privilégier, au final, à la fin, surtout le troisième livre, plutôt que le premier. Question? Oui? La parole exposée orale, c'est juste l'exposé qui est évalué, on ne peut rien en remettre d'écrit. Non, vous pouvez remettre un document à titre indicatif et ça favorise pour le professeur l'évaluation dans la mesure où ça me rappelle votre propos parce que quand vous écrivez, je prends des notes, mais des fois, il y a des choses qui peuvent m'échapper. Mais je ne ferai pas de correction. Il n'y a pas de correction, par exemple, d'ordre grammatical. Si vous faites une faute dans le texte que vous m'en mettez, elles ne seront pas imputées, là. Elles ne seront pas déduites du total. C'est juste à titre indicatif et ce n'est pas obligatoire. Vous pourriez décider de lire un texte et de le garder pour vous. Moi, ça m'aide quand vous me le remettez, mais ce n'est pas obligatoire. Et ça fait pas partie de l'évaluation. Vous êtes évalué sur la présentation, sur le contenu, ce qu'on en retient, qu'on peut comprendre de ce que vous avez fait, et l'interaction avec les autres, comment vous avez répondu aux questions, comment vous avez engagé l'échange, la conversation. Donc, c'est ça les critères pour l'essai, pour l'exposé. Bien sûr, ça doit être assez substantiel. Ça ne peut pas être seulement 20 minutes. Alors, il y a des gens qui sont mal préparés des fois et qui arrivent, puis au bout de 30 minutes, ils n'ont plus rien à dire. Et là, ils s'arrêtent. Alors là, je ne vous dis pas que c'est l'échec garanti, mais ça va faire mal à la moyenne. Okay? Parce que l'idée d'un séminaire, c'est de vous apprendre à développer vos compétences professionnelles. Et une des facultés les plus importantes pour les futurs professeurs ou professionnels que nous sommes, on peut se destiner à d'autres carrières que l'enseignement, mais c'est d'apprendre à maîtriser la faculté d'amplification. Comment on peut partir d'une idée et la développer, la gonfler comme une baudruche, et d'une idée simple, faire quelque chose de finalement très, très nuancé et complexe. Donc, ça fait partie de l'exercice et ça fait partie des critères d'évaluation. Juste réussir à tenir le coup pendant 1 heure, un discours organisé, cohérent, intéressant, captivant, engageant, pertinent sur l'essai. Ça fait partie de l'exercice. Et bien sûr, n'importe quand, vous pouvez me consulter avant, des semaines avant, pendant la rédaction, vous venez me voir. Est-ce que je suis dans le champ? Est-ce que ça tient la route? Puis je pourrais vous donner mon sentiment. Donc, vous n'allez pas travailler sans filet, là. Et je ne vous laisserai pas présenter quelque chose si je crois que ça ne tient pas la route et vous allez vous faire ramasser par moi ou les autres. Donc, il y aura possibilité vraiment d'avancer prudemment. Oui? Justement, on se divise en 2 volets. Ça concerne la diffusion des séminaires sur le web. D'abord, est-ce que ça s'inscrit dans un plan stratégique de l'UQAM? Est-ce que c'est une volonté de prestige international? Et deuxièmement, comment est-ce qu'on fait pour participer réellement de manière organique au cours, alors que pour l'instant, j'ai l'impression d'assister à des séances du défunt Canal Sabo? Oui, bonne question. Effectivement, on peut se poser la question de la pertinence de ça. Ça participe d'abord, et vous l'avez deviné, à l'idée de faire connaître l'UQAM, de faire connaître un peu nos travaux. Ça vise à le recrutement. Ce n'est pas un secret. Les cours en ligne nous ont apporté des inscriptions. De l'étranger, chose qui ne venait pas auparavant, à moins que quelqu'un vienne séjourner ici là, pour suivre le cours, ce n'était pas possible. Et là, il y a des gens qui s'inscrivent et vont suivre le cours à distance. Donc, il y a une visée promotionnelle. Ça pose des questions effectivement, de consentement, là. Est-ce que j'ai envie, moi, que mes questions, mon apparence, soient diffusées comme ça? Ben, je vous rassure, pour l'instant, il y a moi qui suis cadré. Donc, on n'entend que vos voix, mais on ne peut pas vous identifier. Donc, ça, on ménage ça. Et je vous ai promis que pour les exposés, vous auriez le droit de regard sur ce qui serait diffusé ou pas. Le deuxième volet de votre question est pertinent. Effectivement, on pourrait avoir le sentiment que c'est un one-man show en ce moment parce que je présente le cours et les prochaines semaines, j'annonce des cours magistraux. Alors, on se dit,
elle est où la facture séminaire là-dedans? Elle dépend de vous. Elle dépend de vos interventions. Elle dépend de vos prises de parole. Et c'est vous qui allez fixer les limites. Si vous voulez, si vous m'autorisez à le faire, je peux élargir le champ de la caméra. Et je peux vous inclure dans la captation vidéo ou pas. Et c'est de ça dont on peut discuter aussi. Les échanges peuvent être vraiment entre nous, si vous préférez, je ne conserve que les parties magistrales, je ne diffuse que les parties magistrales parce que vous n'avez pas envie que vos questions intempestives soient diffusées. Je peux les retrancher, je peux faire du montage, ça se négocie. Et c'est ce que je veux dire par un plan de course, c'est vraiment un contrat qui nous unit et vous avez un mot à dire là-dedans. C'est la proposition, vous avez bien saisi la nature de la bête, vous avez bien saisi l'aspect promotionnel qu'il y a derrière ça et vous pouvez le rejeter. Vous pouvez dire, je n'ai pas envie de souscrire à ça, je n'ai pas envie d'embarquer là-dedans. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant et qui peut ouvrir parfois à des échanges étonnants. J'ai des commentaires à la suite de certains cours qui ont été diffusés qui ont ouvert des débats qui ont enrichi après l'expérience pédagogique. J'ai reçu des courriels de gens qui m'ont dit « Oui, c'est intéressant ce que vous dites, mais je n'ai pas pensé à tel aspect. » Et là, tout d'un coup, au lieu d'avoir simplement une audience d'une dizaine de personnes, je me suis retrouvé avec des cours où il y avait des centaines d'intervenants là. Des gens qui, pas tous, là, mais parfois écrivent un commentaire, parfois écrivent un courriel et apportaient des précisions, des corrections, disaient « vous êtes trompé de date, c'est pas le bon chiffre » et ça enrichit l'expérience. Alors moi, je crois très fermement l'avantage de ce mode d'échange et de ce mode de diffusion pour un aspect promotionnel certainement, mais aussi pour l'enrichissement de l'expérience pédagogique, tant pour le professeur qui présente que pour les participants aussi. Ça peut être un espace de discussion pour ceux qui, après avoir participé au cours, reviennent sur l'explication et disent « OK, à 8 minutes 20, vous dites un truc que je ne comprends pas. Pouvez-vous m'expliquer? » Et je réponds à ça et je suis ouvert à développer et à engager en public, sur la place publique. Ça peut se faire en commentaire sur une plateforme ou sur une autre, sur Palmetto, par courriel ou sur YouTube. Et c'est un peu la finalité de ça. Alors, c'est ce que je vous propose, en fait. Mais vous pourriez résister et dire, ben non, moi, je ne vois pas l'importance de ça, puis on peut passer au vote aussi. Mais je pense que c'est une forme pédagogique qui mérite d'être explorée et qui mérite d'être développée. Et là-dessus, j'ai besoin de vos contributions, j'ai besoin de votre participation. Un séminaire n'est jamais aussi intéressant que quand les étudiants se l'approprient. Et je vous invite à prendre le plus de place possible. Aujourd'hui, j'ai pris toute la place. Ce n'est pas souhaitable. Il faut que, au fur et à mesure qu'on progresse, que vous soyez à l'aise de parler de plus en plus jusqu'à m'enterrer, que je n'ai même pas le temps de présenter l'ensemble de mon propos. En quel cas, je vous référerai à mes notes de cours. Je ferai une capsule complémentaire, je ne sais pas trop, j'essaierai de vous diffuser le contenu. Mais l'idéal, vraiment, un séminaire, quand ça lève, c'est quand c'est les étudiants qui prennent le contrôle, c'est eux qui parlent. Sauf que, d'expérience, je vous le dis, les premières séances, on est intimidés. Au début, d'un séminaire comme ça, on ne sait pas quoi dire sur le sujet. Et puis, rapidement, on se rend compte qu'on est tous un peu des experts de l'essai, parce qu'on a tous lu des essais, puis on a tous une petite idée de ce que c'est qu'un essai, puis on va s'étonner à contribuer de plus en plus, à avoir des remarques spontanées là, sur tel aspect qui va nous sauter aux yeux là, à la lecture des textes qu'on va partager. Et vous allez voir que cette dynamique magistrale, elle va tendre à vraiment se renverser. C'est vous qui allez prendre le plus d'espace, idéalement. Ça amène aussi un questionnement plus large, peut-être, davantage d'un point de vue administratif, parce que dans le plan de cours, actuellement, il n'y a aucune mention de tout ce qu'on dit oralement, donc ça fait en sorte de, ça fait une sorte de contrat tacite informel entre nous seulement à l'oral, justement, mais est-ce que tout ce qu'on a dit, ça s'inscrit dans un projet pilote, est-ce que ça fait partie d'une réflexion générale, est-ce que le décanat a un mot à dire, l'ombudsman, est-ce que tout ça fait partie de quelque chose de plus global, seulement ce séminaire-ci? C'est un projet pilote,
D'abord, ces cours en bimodal, c'est un projet pilote qu'on va mener sur 2 ans. C'est l'ensemble des cours de l'unité d'enseignement en études littéraires qui adopte cette forme. Ce n'est pas tout le monde qui choisit la captation vidéo, ce n'est pas tout le monde qui choisit de diffuser ça. Ça, c'est à la discrétion de chacun des professeurs, puis ça peut répondre à des objectifs pédagogiques ponctuels, individuels, c'est discutable, mais... on réfléchit ensemble, collectivement, au niveau de l'administration, aux avantages de la forme pour le recrutement, pour la diffusion, pour le partage des connaissances, parce qu'une université, ça appartient pas juste aux étudiants qui s'inscrivent et qui étudient, qui payent des droits de scolarité, ça appartient aussi à la société qui subventionne l'institution à travers ses impôts. Et donc, le partage du savoir est un enjeu qui peut... bénéficier d'une telle diffusion éventuellement, d'une telle accessibilité. Et on nous encourage à tous les niveaux, au niveau des organismes subventionnaires, au niveau de l'administration, à ouvrir nos classes, à ouvrir nos portes à des auditeurs libres, à la participation de gens du grand public qui, parfois, ne comprendront pas nécessairement grand-chose, mais qui est curieux de savoir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui se fait en la matière. Et maintenant, quant à la question de tout ça, c'est pas dans le plan de cours, c'est vrai, parce que c'est tout nouveau. Ça s'est décidé alors que j'étais en congé sabbatique. J'ai pas eu le temps de voir venir et je dois m'adapter. Mais je vous rassure, tout ça est consigné verbatim et c'est enregistré. Donc, à la limite, il y aura toujours possibilité de revenir sur ce qui a été dit et de dire ben non, c'est pas exactement ce dont on avait discuté, c'est pas ce qu'on avait convenu. Donc, on peut dire que le contrat est au moins. Consigné à la mémoire de l'ordinateur. Oh, super, ça me convient, c'est très noble. Je voulais avoir juste une vision plus large. Mais vous avez absolument raison de soulever ces questions et c'est des inquiétudes ou en fait des préoccupations tout à fait légitimes parce que c'est nouveau puis c'est flou et ce n'est pas des enjeux qui sont clairement définis par l'institution. L'institution ne sait même pas où ça s'en va avec ça. Ça se pourrait que dans 2 ans, on renonce tout à fait. Ça se pourrait que dans 2 ans, on se rende compte que ça a été la catastrophe, que ça ne nous a rien apporté de bon, que ça nous a juste créé des ennuis. Ça peut être extrêmement compromettant parfois parce qu'on peut dire des choses. Je pourrais, par exemple, avoir des propos malheureux qui, parce qu'ils sont enregistrés, sont utilisés contre moi. Ça pose des questions au niveau de la liberté académique. Je m'expose, je me commets. Et vous aussi, vous pouvez vous commettre. Vous pourriez avoir un moment d'humeur et dire quelque chose de violent qui pourrait être porté contre vous dans un cadre disciplinaire. Alors, il faut y penser, là. Tout d'un coup, on est surveillé, on est enregistré, on pourrait avoir à répondre de nos commentaires, de nos interventions, et il y a de quoi être un peu déstabilisé. Mais c'est un défi qu'on se donne de fonctionner en toute bonne foi avec cette plateforme, dans le respect des sensibilités des uns des autres. Mais si ça nous gêne et si on y voit un obstacle à l'expérience pédagogique, on se donne le droit de changer d'orientation, de cap, quitte à fermer l'enregistreur en cours de route, là, si à un moment donné, ça nous inhibe. Si vous me dites en marge du cours, ben, moi, franchement, je n'ose pas intervenir parce que j'ai peur que ma voix se trouve comme ça. Pas mon image, mais ma voix, tout le moins sur YouTube, en train de bafouiller, chercher mes mots, essayer de formuler une question intelligente, mais je n'y arrive pas tout à fait. Je comprendrais. Enfin, ben, ça peut être très intimidant aussi. Alors, je vous remercie pour cette intervention parce qu'elle me permet de préciser ça et de réfléchir aux enjeux pédagogiques et aux difficultés inhérentes à une telle pratique qui est inédite, qu'on découvre, que je vais découvrir avec vous, pour le meilleur et pour le pire, surtout pour le meilleur, j'espère. Mais on verra. On verra. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interrogations? Non. Ça va pour l'instant. OK. Alors, sinon, nos spectateurs, nos participants virtuels, avez-vous des questions, des interrogations? Je m'engage à vous fournir le plan de cours et le calendrier détaillé que je vais à présent distribuer dès que mon ordinateur est déverrouillé. Alors, si tout se passe bien, en allumant mon bureau tout à l'heure, miracle, je vais pouvoir accéder à mon poste. Mais sinon, plus tard en soirée, chez moi, je pourrai vous transmettre le calendrier et le plan de cours. Alors, je fais ça sans faute aujourd'hui, ça va être sur Moodle. Le calendrier des lectures suggérées ne concerne que les essais de Montaigne, c'est pas ça. Ça, vous pouvez lire dans l'ordre que vous voulez, une partie seulement ou l'intégralité. C'est les essais qu'on doit lire dans l'ordre
Et ce n'est pas nécessairement les plus faciles en premier, mais au moins, c'est les plus courts. Alors, vous avez le chapitre 8 du premier livre, qui est de l'oisiveté, qui tient sur 3 pages. C'est un bon premier contact avec Montaigne, un Montaigne très narratif, très anecdotique, qui explique pourquoi, dans quel contexte il a commencé à écrire les essais. Il vient de prendre sa retraite et pour s'occuper, il entreprend d'écrire comme ça, mais il se rend compte que son esprit va dans tous les sens. Et il nous raconte ça dans l'essai de l'oisiveté. Que philosophie, c'est apprendre à mourir, c'est ce chapitre que j'ai lu 20 fois avant d'y comprendre quelque chose. Donc, vous allez être confronté à la même difficulté. Vous allez me comprendre ou me plaindre ou je ne sais pas. Peut-être que vous y comprendrez davantage que moi. Du pédantisme, chapitre 25, de l'institution des enfants, de l'amitié des cannibales, ce sont des grands essais parmi les essais là, vraiment canoniques qu'il faut lire si on veut connaître un peu Montaigne, sa pensée. Là, on la retrouve là, pour l'essentiel dans ces essais-là. C'est vraiment le minimum syndical des chapitres qu'on doit lire dans le livre 1 pour comprendre quelque chose à son propos. Dans le livre 2, vous avez, et ça, il faudrait avoir lu ça pour la semaine du 21 septembre, le chapitre Coutume de l'île de Céa, c'est les questions du suicide, en fait, des livres, de la présomption, de la ressemblance des enfants au père. La semaine d'après, on entreprend le livre 3, et là, c'est des chapitres beaucoup plus longs, du repentir, des trois commerces sur des vers de Virgile. C'est des chapitres qui vont vous prendre probablement 2 bonnes heures à lire chacun. Et ça, c'est si vous ne les lisez pas 20 fois. Donc, faites gaffe. Prenez le temps quand même de vous y mettre plutôt plus tard. 5 octobre, chapitre des coches de l'art de conférer, de la vanité. 12 octobre, des boiteux, de la physionomie, de l'expérience. Et après ça, on va mettre Montaigne de côté parce qu'on va parler de d'autres choses, de nos auteurs. On va parler de vos auteurs, de vos préoccupations davantage. Et on aura un cadre de référence à partir duquel on pourra échanger, je pense. Alors voilà, ce ne sont pas des lectures obligatoires, au sens où il y aura contrôle, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de contrôle. Vous pourriez très bien ne rien lire. Vous pourriez choisir de passer outre mon nez, parce que ça ne vous parle pas, ça ne vous appelle pas, mais je pense que vous passeriez à côté de l'expérience et qu'il vaut mieux au moins essayer quelques textes, quitte à ne pas tous les lire. Lisez-en au moins un minimum pour pouvoir comprendre de quoi il va être question dans nos rencontres, parce que ça va nous aider à progresser dans notre définition du genre. Alors voilà, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Sinon, je vous donne congé et on se retrouve la semaine prochaine pour le véritable premier séminaire sur l'essai. Merci. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.